Je suis coiffé comme une merde. Bonjour YouTube, incroyable, c'est Garo Goubit, on est mardi, bien sûr. Garo Goubit du mardi 6 décembre, j'ai bu de la caféine aujourd'hui donc je me sens extrêmement mal. J'ai beaucoup trop d'énergie, en même temps j'ai l'impression que mon corps va partir en sieste à tout moment. Tirage au sort Twitter bien sûr, dès le début, mais d'abord, générique. Regarde, ils t'ont dit bonjour là, hein. Incroyable. Hein. Bonjour hein. C'est à travers de larges grilles que tous les animaux du chat contemplaient un puissant gorille, jouant de façon inadéquate, avec impudeur ses fripouilles, trouvèrent une idée de génie, des défis semant les embrouilles, mais sauvant tous les mardis, Garo Goubit. Incroyable. Alors attendez, il faut montrer qu'il n'y a pas de dispositif caché là. Je m'en vais tout de suite faire le tirage au sort, bien sûr. C'est l'heure du tirage au sort pour le premier défi, avec cette magnifique photo de la Roscasse, là. Alors, c'est parti. J'ai mis entre 1 et 184, parce que 184, c'était le nombre de réponses quand j'ai lancé le stream. 75. Let's go. Alors, studio point Paris, donc ça fait 1, 2, 3, déjà chez, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à Jordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 à JM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 à Ilianas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 à Halloween. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 à Lola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à Nicolas. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, Kazer. Kazer gagne. Challenge Bloody Mary. Godroom interdite. Changement de perso interdit. Obligé d'utiliser toutes les pilules qui n'hésitent pas de dépenser des autres ressources à acheter ou... Ah, et c'est bon, non? Genre, on peut s'amuser ou vraiment on n'a jamais le droit de rire, quoi? Super. Bordel, j'étais à 73, je suis dégoûté. Bah, rip, hein. Rip, comme on dit. Alors, attendez, qu'on essaye de... qu'on essaye d'expliquer ça. Bloody Mary... Ah, je tremble, quoi. Je tremble de café. La caféine, j'arrête, hein. No God Room. Changement de perso interdit, obligé d'utiliser All Pills qui n'hésite pas de dépenser des autres ressources. Ok, donc j'écris All Pills, on changera pas de perso, bien sûr. Et évidemment, on n'achètera pas les pilules. Puisque toutes les pilules, sauf celles qui nécessitent de dépenser d'autres ressources. Donc, ok. Par exemple, les pilules derrière les cailloux, c'est non. Vous avez bien compris. Ne faites pas genre, vous n'avez pas compris. Vous avez tout compris. All free pills. Ouais. Pas bête. Pas bête comme terminaison, ça. J'aime beaucoup. Eh mais les gens qui boivent du café tous les jours, je sais pas comment vous faites, hein. Merci Lord Estis pour les 10 mois. Bonsoir, comment va? Bah, sous caféine, là. Merci SKL100 pour les 6 mois de Prime. Nuts pour les 1 an. C'est beau, hâte de jouer à PoE avec tous les brasseurs. La bise à vous 3. Après, c'est pas très multi PoE en vrai, hein. Merci Carotte pour les 6 mois de Prime. 610 pour les 100 bits. Lithium pour les 17. Canne à sucre pour les 17. Merci d'avoir insisté sur la qualité de Hollow Knight. J'ai forcé qu'elle bijoue. Ah bah oui. Nous non plus, on sait pas. Ton corps est habitué, ça fait moins d'effet. Ou sinon du DK. Ouais, mais ça sert à quoi le DK? Team T en vrai. Le thé, ça fait un peu la même chose, hein. Pas de café égale mauvaise journée. On est drogué à la caféine, hein. C'est notre prison, le café. Putain, mais qu'est-ce que... Imagine, tu bois 3-4 cafés. J'aimerais bien voir mon père sans café. Parce que je crois que mon père, il se lève, il prend un café. Il se prépare. Donc il prend son petit déj, il se douche, etc. Puis il reprend un café avant de partir au travail. Il arrive au travail, il commence à bosser, il prend un café. Le midi, il mange, il prend un café. L'après-midi au travail, il prend un café. En rentrant du travail, il prend un café. Donc qu'est-ce qui se passe si mon daron, il fait une journée où il boit pas de café, en fait? C'est ma lobby d'instant, ici. Il fond. Il tombe. Il dort. Mon père travaille pas à la SNCF, non. Mais moi, après, c'est des petits cafés. Il prend, tu sais, il a une machine expresso, là. Bon bah il prend un expresso à chaque fois, tu vois. Mais du coup, le matin, je me rappelle que quand j'allais en prépa, c'était ça. Je me réveillais, il était au café. Donc moi je prenais mon petit déj, j'allais me doucher et tout, et juste avant qu'ils partent au taf et que moi j'allais prendre le bus pour aller en prépa, ils reprenaient un café. Et quand je rentrais le soir, ils prenaient un café de rentrée de boulot, quoi. Grain ou dosette? Dosette, ouais. Après peut-être que les dosettes, ça fait rien, tu vois. Je me suis posé la même question avec l'alcool. Ouais, bah, l'alcool c'est encore pire, hein. Ça là c'est vraiment addiction de ouf, quoi. Intoxication à la caféine, hein. Alors prenez minimum 10 par jour. J'ai une tante qui en boit à peu près pareil, je pense, ouais. Après moi dans ma famille c'est terrible, hein. C'est café clope à l'infini, hein. Vraiment c'est... Moi je suis la seule une des seules personnes de la famille à pas fumer déjà. Et au-delà de pas fumer, je prends pas de café, quoi. Mais j'ai énormément de gens dans ma famille qui ont bossé dans le milieu hospitalier et c'est full café, full clope. Full café clope pour tenir les nuits de garde là. Et t'as pas honte? Ah, je suis la honte de la famille, hein. Je suis la seule personne à pas fumer et à pas... En vrai non. En vrai j'ai une cousine qui fume pas et qui doit pas prendre beaucoup de café non plus, hein. Par contre on boit tous. Alors ça... Alors ça par contre y a pas de man game. En Normandie ça picole. S'il y a une chose sur laquelle on s'entend, c'est la bouffe et l'alcool. Ça, malheureusement... Chiche bois. Non mais je bois pas. Non mais je bois pas... je bois pas tous les jours, hein. Non en vrai je bois quasiment jamais. Je bois en soirée et je fais pas souvent de soirée. Je ne bois qu'en soirée, soirée famille ou soirée amie, mais je ne bois jamais dans une journée classique. Et surtout, bah du coup, je bois... je pense que je consomme... de l'alcool une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Genre toutes les 2 semaines je bois au moins une bière ou toutes les 3 semaines. Et dans les soirées maintenant j'ai arrêté de me mettre des cuites. Vraiment, genre c'est terminé. Ça fait bien 1 an je pense que j'ai arrêté de prendre des vraies cuites, quoi. Parce que j'aime plus. Bon, on fait que parler là, j'ai tiré au sort, on joue pas YouTube en mode qu'est-ce qui se passe? Chiche sous café qui raconte sa vie sans jouer aux jeux vidéo. Ah désolé YouTube, c'est comme ça que ça se passe le début des streams normalement, je suis désolé. Non mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh non mais c'est parce que c'est Bloody Mary aussi, qui c'est qui a envie de jouer Bloody Mary? Sûrement pas moi. Oh non mais Bloody Mary, oh là là. Baptême du feu 100%, c'est ça? C'est ce truc de merde là? Oh c'est loose. Oh, bah fanade. Oh c'est loose. Désolé là, je racontais ma vie YouTube, c'est comme ça que ça se passe, hein. Tu peux pas te plaindre, au moins t'as pas de pub. Tintin. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les gens regardent autant les VOD sur YouTube de cette chaîne Twitch, parce qu'il n'y a pas de pub. Parce que quand je regarde, en vrai, j'ai entendu parler de chiffres récemment sur YouTube, et ma chaîne YouTube a fait quand même pas mal de vues, hein. Je crois que par mois, je suis entre 1 million, 1,5 million et 2 millions, enfin en gros 1,5 million. De vue moyenne. Donc c'est pas mal quand même. Pour une vieille chaîne de replay Twitch. 1,5 million d'euros. Hein. Bah sans la monétiser, c'est à peu près ce qu'elle dégage. Ouais. Tu t'assois sur un gros pactole. Et moi je suis quasiment persuadé que c'est une des raisons pour laquelle il y en a autant de vues. C'est parce qu'il n'y a pas de pub. Hein. Le lecteur est mieux que celui de Twitch. Bon, il y a ça aussi bien sûr. Mieux des bonnes vues que des vues moyennes. Ah bah la rétention, j'ai une courbe aussi. Genre les gens qui regardent les vidéos, ils regardent longtemps. Hein. Les gens regardent longtemps les vidéos sur YouTube. Hein. Ça en plus je comprends pas comment vous pouvez avoir autant de temps pour regarder les replays, mais... Le captivant. Bon ça doit être ça je pense. Hein. Je pense que c'est du mérite. Dis-moi dans les commentaires YouTube pourquoi tu regardes les vidéos. ASMR dodo. Ah ouais mais ça c'est trop bien. Les gens ils s'endorment devant la vidéo, du coup après ils ont vu toute la vidéo et hop ils comptent dans les statistiques. Dis-moi YouTube pourquoi tu regardes, j'irai lire. La dernière fois que je suis venu lire, j'ai dû ban des gens. On s'endort devant quoi. Aïe 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 aïe. Il y a une pilule. Du coup qui dit pilule dit évidemment jouer... Oh nice. Donc celle-là par contre, est-ce que c'est pas la même? Si. J'étais pas obligé de la prendre parce qu'elle nécessitait de payer. Alors on se rappelle, c'est que les free pilules. Hein. Les coms de la vidéo Ardisson. Ah ouais, j'ai ban. J'ai pas le temps. Là. Quand vous tapez des pubs sur les replays Twitch, je touche quelque chose, oui. C'est pas énorme, mais ouais. Et surtout, j'ai pas le choix de vous les afficher ou pas. Si j'avais le choix, vous les auriez pas. Je n'ai pas le contrôle sur les pubs VOD. Je te recommande le jeu Shovel Knight, très bon jeu de plateforme en pixel art. Ah ouais? Ça parle de quoi un peu? Moi, je vous recommande un jeu pas trop connu non plus, c'est Super Meat Boy, c'est un bon jeu de plateforme. Si vous connaissez pas aussi, en vrai, il y a peu de chances que vous connaissiez, c'est un peu de niche, mais il y a Céleste, un jeu de plateforme, un jeu tout mignon en pixel art. Je vous conseille ce jeu en vrai. Ah, il y a un truc pas mal aussi qui est sorti il y a quelques années, je sais pas si vous le connaissez. Il y a un petit truc, c'est un jeu indé, ils sont pas beaucoup, c'est avec des insectes là. Ils sortent la suite bientôt, c'est un peu attendu, mais vous connaissez peut-être pas, c'est Hollow Knight, je crois. C'est encore avec un chevalier, hein, c'est un petit insecte et tu te bats avec un aiguillon, là. En vrai, c'est pas mal, hein. Je vous le conseille. Non, mais évidemment, je connaissais Shovel Knight, je suis désolé, mais quand c'est un jeu qui est pas de niche, honnêtement, il y a de grandes chances que je le connaisse. Je suis désolé, je sais plus qui a dit le message, mais... Sorry, mais il y a de grandes chances que je connaisse, quand même. C'est pas une question de se vanter, c'est juste que c'est connu comme jeu indé, et comme j'ai fait énormément de jeux indé, bah je les connais quoi. C'est un peu comme... Enfin, c'est vraiment honnêtement comme si tu me lançais des Hunter the Gungeon, Isaac, etc. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui joue que à des AAA, tu connais Elden Ring? En vrai, c'est un petit studio japonais là, ils ont fait un truc genre Dark Souls, mais il y a peu de gens qui ont joué, tu vois. Enfin, c'est un peu ça quoi. Bon, à partir du prochain étage, c'est la merde, bien sûr. Et y a quoi qui peut me sauver la vie là, genre placenta? Ça gatekeep la culture. Mais non. Oh, ça met à un demi-coeur. Oh non, mais c'est l'enfer. Hein, ouais. Merci Eniture pour les 6 mois. Tom F pour les 10 mois de Prime. Lobino pour les 9 mois de Prime. Merci Bavilator pour les 53 mois. Libris pour les 14. Bonsoir à vous. Et toi et Gratte au Chien. Merci Syriac pour les 8 mois. Raceling pour les 9. Bababing pour les 6. Merci beaucoup. C'est pas un de tes jeux préférés avec Château Vanille. Je connais pas Château Vanille. Super Château Vanille 4. Je connais pas. Pas connu. Il y a un jeu qui est pas mal dans l'espace un peu. Avec une histoire de boucle temporelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Outer World, je crois. Pas mal ça. On me l'a conseillé, Outer World. Il a l'air cool avec un feu de camp et tout. Des petits extraterrestres là. Ça a l'air pas mal. The Outer World. Ils sortent le 2 bientôt, je crois. Il a l'air cool ce jeu. Faudrait peut-être que je le teste un jour. Oh non, full health. Somnolence? Bah c'est moi sans le café ça. Eh plus jamais le café, la vie de moi. La prochaine fois que je prends un Starbucks là, je prends pas de café. Hein. L'expresso d'aujourd'hui m'a détruit. Hein. Mais d'habitude ça me le fait pas autant. Mais peut-être parce que d'habitude je suis en journée film quand je le fais. Là ça m'a fumé la tête. Hein. Le gros caillou. Un moustachu qui mange des champignons? Ça va bider ça. Ça sent le bide. Ça sent le bide un peu. Hein. Un moustachu qui mange des champignons, ça ressemble un peu trop à Mario. Ça sent le bide. Hein. Oh, J'ai vu la comment ça s'appelle la hype autour du Japon pendant la Coupe du Monde. Là. J'ai regardé un peu leur match, ils avaient l'air de bien jouer. Et surtout, en fait, la hype est basée sur un anime qui s'appelle Blue Lock, je crois. Il y a vraiment un anime de football, là. Enfin, il y a des animes pour tout, hein. Oh, l'anime de football, là, je le tankerai jamais de ma vie, hein. C'est trop bien. Say the PP Manga, non? Blue Lock, c'est trop bien. Say the PP Manga, j'imagine. Olive et Tom en PLS. Ah, c'est ça qu'il y a Olive et Tom. Non, mais Olive et Tom, c'est... je vais pas vous mentir que c'était claqué au sol. Enfin, Olive et Tom, j'ai jamais aimé, hein. Genre vraiment. Hein. C'est claqué, Olive et Tom. Hein. Désolé, mais genre midi les zouzous. Eyeshield 21. Eyeshield 21, c'est le banger ultime. Hein. Eyeshield 21, je suce. Trop bien, Eyeshield 21. J'étais trop déçu que ça s'arrête. Quand je suis arrivé à la fin du manga là, j'étais trop déçu. C'est juste insane. complètement délu. Non mais Eyeshield 21, il met 100-0 à Olivier Tom, hein. Je suis désolé. Après, Blue Lock, je peux pas parler, mais... J'ai pas le droit de jouer God Room aussi, hein, putain. C'est vrai que du coup, j'aurais pas Olimantle, quoi. Blue Lock, c'est dans l'esprit d'Eyeshield. Galactic Football supérieur à Hall. Oh putain, Galactic Football, c'était à l'ancienne sur Gulli, là. J'avais tout vu, hein. Galactic Football, j'avais tout regardé, hein. C'était... En vrai, je pense que c'était vraiment claqué, Galactic Football, hein. Je pense que c'était vraiment pas ouf, hein. Est-ce qu'il y a des trucs en Devil Deal qui me sauvent la life? Pas trop, en vrai, hein. Ça c'est quand on tue des ennemis. En fait c'est dommage, là il me faudrait un truc en Devil Deal qui proc sur les dégâts. Là si j'avais par exemple l'autre truc là qui invoque des petits... les flammes rouges là, si j'avais eu la flamme rouge ça aurait été parfait. Abaddon te sauve. Ah c'est vrai qu'Abaddon fonctionne. Un petit vaisselle, non un petit vaisselle... Ah bah non, Abaddon fonctionne pas parce que ça part... les cœurs noirs ils partent dans le bouquin donc ça marche pas. Judas Shadow j'ai pas le droit de changer. Oh le bandage c'est le meilleur en vrai. Je vais quand même prendre le petit soufre. Hein. Abaddon me tue. Hein. C'est toujours les mêmes images réutilisées dans Galactic Football. Oh, bah, ça, on l'avait déjà vu à l'époque. Hein. Ça se voyait déjà à l'époque. Hein. Que les animations revenaient en boucle. Des clés, des clés, des clés. Bon, moi, j'ai de quoi ouvrir les coffres, mais... Comme Code Lyoko. Oh non mais Code Lyoko... Me lancez pas sur Code Lyoko parce que je sais qu'il y a énormément de fans de Code Lyoko mais... Je veux dire en vrai... Le mec s'apprête à dire une dinguerie, ça commence toujours par en vrai. En vrai. Attention à la bagarre. Ben en vrai, t'enlèves le générique. Ah mais Code Lyoko t'enlève le générique. Il reste quoi? Il reste quoi? Rien. Rien du tout. T'enlèves le générique? En vrai, Code Lyoko c'est comme les Power Rangers, tu vois. Moi j'aimais bien les Power Rangers. Jusqu'à ce que tu sois assez grand pour te rendre compte que c'est le même épisode à chaque fois, tu vois. À chaque fois c'est le même épisode. À chaque fois c'est pareil. À chaque fois on passe dans le tunnel, on va allumer la batterie là. C'est toujours pareil. Mais j'aimais bien les Power Rangers quand même, hein. Il reste la nostalgie. Ah mais ça je dis pas, hein. Il est venu pour détruire notre enfance. Non mais regarde, genre les Totally Spies. Il y a le générique, mais il y a aussi les Totally Spies, c'était trop bien. Les Totally Spies, c'était pas tout le temps le même épisode. Il y a Jerry. Il y a évidemment, il y a Sam. C'était trop bien les Totally Spies. Bon bah so long, hein. Je vais mourir là. Ah, c'est bon. C'était bien naze aussi. Les super nanas. Les super nanas, j'adorais genre le design cartoon des super nanas, mais par contre j'ai jamais aimé... Je sais pas, je comprenais pas le bail en fait. Jamais trop compris les super nanas. Mais j'aimais bien la DA Cartoon Network, non Cartoon Network. Mais du coup j'ai jamais accroché au dessin animé. Scooby-Doo, ah bah Scooby-Doo c'est pareil, c'est toujours le même épisode. C'est toujours... Scooby-Doo c'est toujours le fasciste qui est déguisé en fantôme. Et hop, t'enlèves le chapeau du fantôme, hop c'est le fascisme. À chaque fois. C'est tout le temps pareil Scooby-Doo. T'enlèves le chapeau du fantôme et hop. Martin Mystère, j'ai jamais regardé. Totally Spies, qu'est-ce que ça gueule? Non mais en vrai, je vais pas vous mentir que Code Lyoko, je brasse un peu. Parce que s'il y a un truc surcoté au monde, un dessin animé, où en vrai, à part le générique, il n'y a rien. Et il y a des guests. Parce qu'il y a des guests et c'est tout le succès de cette... de ce dessin animé. C'est les rats. Bien vu. Wou coucou. Ils gagnent tout mon respect. Les rats. Y a rien les rats. Rien du tout. À part de la nostalgie, y a rien. Y a jamais rien eu. C'était marrant les rats. Oh on dort hein. Oh les rats c'était... Moi j'ai jamais ri hein. Super, il y a la voix d'Eric et Ramsey. Voilà. Et il y a un générique. Corneille et Bernie, même histoire. Hein. Corneille et Bernie, 0 sur 20. On est en train de rigoler, évidemment. Si vous avez travaillé sur l'animation de ces dessins animés, je vous en veux pas. Hein. C'est pas... Je suis pas en train de... Voilà. On est en train de malverser. T'as le Covid. Il y a des gens qui ont travaillé quand même. Je suis pas en train de dire que c'est... Voilà. Je suis dans la provoque, là. Mais j'aurais des choses à dire sur l'écriture. Guy et Cafard, il n'y a pas de générique, juste poubelle. Bah en fait, le problème de Guy et les Cafards, c'est que c'est du cartoon, de sa cartoon, tu vois. C'est du Bip Bip Coyote, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment, ça n'a aucun autre intérêt que mettre des pièges, et finalement, c'est le méchant qui prend le piège, ou le gentil. Bah là, du coup, c'est inversé, c'est le chat qui prend le piège, alors que c'est lui le gentil, mais... Les zinzins de l'espace, je pense qu'on n'était pas assez sous drogue pour apprécier les zinzins de l'espace. Je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'un enfant de 8 à 12 ans, même de 6 à 12 ans, n'est pas assez sous drogue, à part le sucre, pour apprécier vraiment les zinzins de l'espace. Déjà, quand tu vois que le générique, c'est Iggy Pop, et que le mec, il s'enfilait 3 barres de coke de 2 kilos par jour, tu te dis, bon, ils avaient peut-être pas ciblé la bonne personne pour le générique, quoi. J'adorais les zinzins. Ah, moi, j'aimais bien les zinzins de l'espace. Hein. Juste, je pense qu'on comprenait rien, ouais. Micha Michien, c'était ma cam. Hein. Oh, ça, c'est les dessins animés type bizarre, ça. Hein. Genre... C'est quelle chaîne, ça? C'est pas Nickelodeon, ça? Si, ça. Hein. Nickelodeon, ils ont trop des dessins animés bizarres. Genre, t'es trop jeune pour voir ça, tu vois. Genre Micha Michien et le truc avec, avec le chien Froussard, là. Le chien Froussard, horrible. Mais j'étais terrorisé quand j'étais gamin. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Courage le chien Froussard, là. Où à chaque épisode, il y avait un gros plan sur les pieds et les panaris du grand-père, là. De toute façon, c'était les pros Nickelodeon. C'était pareil dans Bob l'Éponge, là. Dès que Bob l'Éponge, il sortait de l'eau, et dès qu'il était sur une plage, tu voyais des espèces de gros plans dégueulasses d'une éponge avec plein de vers de terre dessus, là. Et t'es en mode, mais what? Mais pourquoi vous faites ça? Ça m'a toujours choqué, ça. Ils étaient pro Nickelodeon pour faire des images réalistes dans leurs dessins animés. Et les images réalistes, elles étaient toujours dégueulasses. Notamment bah, les pieds du grand-père, les aisselles de la grand-mère. Les pieds de Patrick dans Bob l'Éponge. Ben... Eddie. Mais ça, c'est pareil. C'est traumatique, tous ces trucs-là. Hein. Moi, ça me faisait trop rire. Moi, ça me dégoûtait, genre. Le pied de Mom. Hein. Bah, c'est le pied de Mom. Hein. C'est comme le pied de Maman. Hein. C'est le soutif de Mom dans Isaac. Ouais, c'est ça. Si vous avez jamais vu. Angela Anaconda. C'était le truc en noir et blanc, ça, non? Je pense que ça, c'est pareil. Enfin, c'était pas pour les enfants, ça. Hein. Angela Anaconda, c'est pas pour les enfants. Hein. La cour de récré. Oh, horrible, ça. Avec la grand-mère, là. Les Shadok. Shadok, c'est pas pour les enfants non plus, hein, c'est validé, hein. La Linéa, bah après La Linéa c'était pas diffusé pour les enfants je pense mais... La Linéa, les Shadok, tout ça c'est pas pour les enfants. Hein. Titeuf c'était drôle MDR. Bah je vois que ça te fait encore rire maintenant. Moi honnêtement je suis pas très fan des... Titeuf, Cédric, ça a jamais été trop mon bail. Hein. À la limite, Kid Paddle, j'aimais bien en bande dessinée, en dessin animé, beaucoup moins. J'avais bien Kid Paddle, mais la phase Titeuf Cédric, je l'ai jamais vraiment prise. Hein. Martin Matin. Putain, je regardais Martin Matin avec ma sœur en Espagne. Sachez qu'en Espagne, Martin Matin, c'est Martin Matin. Y a pas de... Ils ont fait aucun effort. C'est Martin Matin. Cada mañana se despierta. C'est vraiment ça, hein. C'est Martin Matin. Y a pas de... Ils ont fait l'effort zéro. Ils ont eu 0 sur 20 à la traduction, hein. Vraiment. Et ma sœur était trop fan. Ça et Bob l'Éponge, vraiment, dès que j'allais chez ma mère en Espagne, j'ai bouffé du dessin animé, mais comme jamais en espagnol. Et je peux vous dire que Bob l'Éponge, si vous trouvez que ça va vite en français, bah, vous n'êtes pas prêt pour Bob l'Éponge en espagnol. Hein. Oh là, Bob l'Éponge, ah, putain, fermez-la, là, vous parlez trop vite, là, avec Carlos. Et Carlo, ah, putain. Vamos a hacer... Putain, arrête, tu parles trop vite. Il te brasse. Belle imitation. Ah non, mais c'est... À part Carlo... En vrai, bah, Carlo, il est un peu en mode... Oh là, bah, je manquerai. Tu es bilingue espagnol? J'ai été bilingue espagnol quand j'étais vraiment plus jeune, parce que j'ai vécu en Espagne à un moment donné de ma vie. Et après, l'espagnol, j'en ai fait en cours. Je suis allé souvent en Espagne chez ma mère. J'ai un espagnol qui est en compréhension très bon maintenant, mais en expression, bah, comme je le pratique pas, évidemment, beaucoup moins bon, quoi. Oh là, Bob Esponja, quoi. Le stream est passé en x2. Oh, mais c'est nul tout ça. Qu'est-ce que je fous de ça, hein. En vrai, on devrait garder le cœur d'enfant. Bien meilleur ici, quoi. La paille. Récemment, il y a plein de trucs cool en dessin animé. Ils sont revenus sur l'animation, parce que pendant un bout de temps... Oh, ça va me sauver la vie aussi. Pendant un bout de temps, la méta, c'était les trucs 3D un peu moches à la Jimmy Neutron, là. Ou à la Code Lyoko. Désolé, mais Code Lyoko, c'est jamais aussi beau que quand c'est en 2D, hein, voilà. L'effet 3D moche, là, on n'en peut plus, quoi. On n'en pouvait déjà plus à l'époque. Moi, je trouve les dessins animés ont perdu en qualité. Bon, ça, c'est juste que t'as grandi, je pense. En vrai, à chaque fois que j'ai eu des discussions avec des gens qui disaient que les dessins animés étaient mieux avant, globalement, c'est juste que t'as grandi, quoi. Et que du coup, bah, les trucs actuels te parlent pas, quoi. Je suis persuadé qu'il y a des bons dessins animés maintenant, c'est juste que, genre, je suis pas du tout l'actualité des dessins animés. L'effet 3D moche est bien utilisé dans Code Lyoko parce que ça a du sens dans l'histoire. Ah, mais bien sûr, mais tu peux justifier par tous les moyens, ça reste moche, quoi. Et je trouvais déjà ça moche à l'époque. Des animés sont ultra quali, prennent plus les gamins pour des cons. Ouais, non mais voilà, non mais les dessins animés maintenant ça doit être de la merde gauchiasse. C'est pour éduquer les enfants à devenir staliniens en fait. Bah bravo. Super les dessins animés quoi. On pourrait pas plutôt avoir un dessin animé sur le roman français? Voilà, voilà les arguments que vous avez trouvés sur Twitter je pense. Non, en vrai, je sais pas du tout, en effet, pour les dessins animés, ce que ça donne maintenant. Les malheurs de Sophie. Oh non, mais ça, c'est pareil, c'est pas pour les enfants du tout, hein. Ah oui, mais en fait, y a pas de triche. Y a pas de triche possible quand t'as un cœur squelettique. Il t'enlève vraiment tous tes points de vie. En mode, si tu te fais toucher, c'est fini, quoi. Pas de triche possible. Hein. Oh, c'est nul, ça. Hein. On lui retire son café. Laissez-moi mon café, là. J'ai rien fait, moi. Parfait, là. La queue de chat plus Momski, ça peut trop me mettre bien, ouais. C'est ma chance. C'est mon droit d'y croire, là. Je trouve mini Magic Mush, 0,5% de chance d'un champignon, une salle secrète, une chance minuscule de devenir le champidrogue, 0,02%. Ah oui, je savais pas du tout, tu vois. Pour le coup, je ne savais pas que c'était possible. Ah, parce qu'il paraît, c'est Koff Fefe m'a conseillé le dessin animé Cuphead, mais je sais pas ce qu'il vaut. Pas vu. Après, moi j'avais commencé à regarder Adventure Time il y a quelques années de ça, et Adventure Time c'est vraiment pas mal, mais le début est pour le coup vraiment pour un peu pour les enfants. Je crois que c'est après que ça devient un dessin animé tout public, mais Le début, c'est quand même un peu pas mal pour les enfants, Adventure Time. Du coup, bah, les épisodes, tu les enchaînes pas si vite que ça, parce que t'es en mode bon. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça devient stylé. Gravity Falls. Ah, ça, c'est Ben qui m'avait conseillé Gravity Falls. Il voulait absolument que je le voie. Oh non, mon cœur squelettique. Bon, on s'en fout du coup. Après Gravity Falls et tout, on rentre dans la méta dessin animé vraiment pour adultes, genre Futurama, les Simpsons, Family Guy. C'est des trucs que j'ai jamais trop regardé, à part Futurama que j'ai vraiment saigné. American Dad. Ouais. Ces dessins animés là, j'ai jamais trop... Il y a vraiment que Futurama. Hein. Sinon le reste ça m'a jamais, jamais accroché. Tu vois, des trucs genre Archer, etc. J'accroche jamais. Hein. BoJack Horseman, j'avais commencé à regarder et Eterna a tout saigné et moi non. Je regarderai sûrement un jour BoJack Horseman, mais je sais pas, je trouvais ça long le début quand même un peu. Genre, il y a des personnages auxquels j'accrochais pas du tout là, celui qui était doublé par... par l'acteur qui joue Jesse Pinkman là. Je te revois. Je suis persuadé que ça devient très bien par la suite BoJack, mais je sais pas. Genre le départ m'a pas plus convaincu que ça. Du coup j'ai regardé quelques épisodes et après j'étais déjà saoulé quoi. Bah apparemment oui, c'est vraiment... Faut pas regarder ça dans n'importe quel mood non plus, hein. BoJack Horseman, apparemment ça tape fort. Mais sur la première saison, j'ai pas accroché direct, quoi. Du coup j'ai toujours pas vu, quoi. Mais parce que j'ai vraiment, du mal aussi avec les dessins animés pour adultes, hein. Archer, c'est de l'humour que la France aime, hein. Vraiment, c'est pas... Ça pour le coup... Archer, je pense que je suis juste pas la cible, hein. C'est pas grave, hein. J'arrive déjà pas à regarder tout ce que je veux voir, hein. Je vais commencer à me plaindre de pas regarder ce que je veux pas voir, quoi. Pilule de caféine, bah, tiens donc. Oh, faut arrêter avec la chance diminuée là, par pitié. Le bébé putride. Alors lui, il profite pas de BFF malheureusement. Bah, Last Man, on avait regardé la saison 1 avec Aeterna il y a longtemps quand elle était sur Netflix et on avait kiffé. Le problème de Last Man, c'est l'autre, hein, celui qui fait des BD pédophiles hein, et qui dessine ça, là, ça me dégoûte un peu, tu vois. J'ai quand même certaines limites et là... Allô, bah c'est la réalité, hein. Ah, c'est de lui? Bah, un petit peu, hein. Je suis pas au courant des dramas. Ou c'est pas un drama, c'est juste la réalité. C'est pas le mot drama, hein, c'est juste c'est un auteur de BD pédophile, quoi. Devilman Crybaby, on avait regardé, ouais. C'était vraiment bien, Devilman. Ah merde, il y a des pilules. Hein. Digoxine et somnolence. Elden Ring le 7 décembre, mode arène. Ah oui, oui, j'ai vu le mode PVP, là. Encore une? Putain, mais quel connard. J'ai vu, ouais. On espère qu'au Game Awards, ils vont parler plutôt d'un DLC PVE. On est côté Alliance sur WoW, moi je crois, oui. Non mais en fait, c'est... Si tu te renseignes un peu sur le bail de l'auteur de Last Man, là, Enfin, est-ce qu'il est auteur ou est-ce qu'il est que dessinateur? Je sais pas. Enfin bref, il dessine en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce qu'il écrit? J'en sais rien. Mais il a vraiment pondu des BD tout seul. Et des BD, je comprends pas que tu puisses publier ça, tu vois. Et le pire, c'est qu'il en joue, parce que j'ai récemment lu un thread là-dessus, et il avait une BD, je sais pas si elle est encore en vente ou quoi, mais quand elle est sortie et qu'il en faisait la promotion, c'était en mode enfin une BD pour les bédophiles, hein. Genre pas pédophile mais bédophile avec un B, tu vois. Et en mode ça nous fait rire, tu vois. En mode mais c'est ok, d'accord. Donc ça c'est drôle. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en plus on le décomplexe quoi, genre. En plus c'est décomplexé quoi. Donc ouais voilà, Last Man ça m'a un peu... t'es en mode bah Last Man c'est ouais ce que ça raconte, bah ouais Last Man c'est l'animé il était cool tu vois mais... Il y a des limites quoi. Donc je suis moins sauce, hein. Genre la saison 2 et tout ça me... Bon. Peut-être il parlait du bédo, ouais ouais. Bah oui hein. La bouche noire, ok. On aurait dû prendre le restock d'abord je pense. Cette pilule là c'est pas HP up? Ah non c'est digoxine encore. Ouais c'est compliqué hein. Aucun problème pour les personnes qui séparent l'homme de l'artiste. Bien sûr. Surtout quand c'est directement sur le contenu quoi. On a eu du speed up là? Mais pourquoi? Comment c'est possible? Non mais vraiment il y a le thread mais j'étais pas bien hein. Non, parce qu'en fait tu vois genre tu le sais en fait que tu vas sur internet tu vas pouvoir trouver des auteurs de romans, de BD, de tout qui vont pouvoir balancer les pires bails sur Roule 34, sur des trucs comme ça tu vois. Tu le sais que ça existe, mais que ce soit publié, achetable dans des... Enfin, tu peux aller acheter ça sur la Fnac, sur n'importe où, tu vois, dans une boutique, t'es en mode, mais... Pourquoi, tu vois genre... Déjà que sur Internet, c'est difficile, alors si en plus de ça, tu peux juste aller dans ton Leclerc et acheter ces conneries-là, bah... Une expo à Angoulême, ouais, c'était pour ça le trade, ouais. Ouais, bref. Quel artiste subversif, ouais trop subversif, hein, vraiment, qu'est-ce que c'est subversif de faire ça? Ouais super, hein. On se demande bien qui achète derrière, hein. Sûrement les gens qui aiment la subversion je pense, hein. Ouais, c'est vraiment fait pour ça je pense. Hein. Ce serait tellement bien que je puisse spawn des coffres à chaque début d'étage aussi. Pour être sûr d'avoir du cœur rouge. Parce que là, mine de rien, ça commence à être un peu chaud. Qu'est-ce qu'il est dur ce défi en vrai. Surtout qu'à partir de là, tu lootes un demi-cœur, bah c'est pas suffisant en fait. Il n'y a que le négatif parce qu'on est en challenge et qu'il faut aller vers le côté Satan. Oh, donne-moi des coffres ou un queutru là. Avant que je cadne. Oh là là, ça veut pas, hein, ça veut juste pas, y'a rien. La 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 la. Y'a plus de coffre. Elle ne fonctionne plus la queue de chat. Poussez-vous au secours. Ah, si merde. Vous citez des auteurs, je les connais pas du tout. Hein. Moi j'ai juste vu, j'avais déjà entendu parler, puis là j'ai vu le thread sur les œuvres de l'autre là, mais sinon après je suis pas un spécialiste sur quel auteur de bande dessinée a publié des trucs, des bandes dessinées où ça traite de pédophilie et tout quoi, je reconnais pas tout ça. Hein. J'ai lu un thread sur une personne. C'est pas un sujet qui d'habitude me passionne plus que ça d'aller checker ça. Hein. Bah justement ça a pas l'air plus illégal que ça. Hein. Possible de publier ces trucs là, c'est pas... Ça a pas l'air bon. Eh c'est de la fiction hein. Le pentagramme. Tempérance. Tempérance peut me dégager du cœur rouge, donc c'est cool. Est-ce qu'on a lu ces BD? Non merci, mais j'ai lu les résumés du thread. Ça donne pas trop envie, quoi. Si tu veux, je pense que... Je vais pas avoir envie de mater ça. Ce qu'on appelle un thread d'horreur. Avec un peu de chance, cœur rouge. Nice. Oh, j'aurais pu check. Il y avait peut-être un HP up là-dedans. Le HP up aurait pu mettre très très bien aussi. Hein. En fait, le truc c'est que dans la fiction, tu peux avoir des fois, des œuvres qui vont traiter de ces sujets-là. Pour montrer une horreur subie par un personnage, pour montrer les horreurs subies par une époque, par des trucs comme ça. Tu vois, dans Game of Thrones, il y a des personnages qui sont très jeunes et qui subissent des horreurs horribles, que ce soit Sansa, que ce soit Daenerys. Mais c'est jamais porté en... C'est pas un kink, tu vois. C'est pas montrer ça pour en faire un kink en mode, hey, regardez, on va montrer ça parce que c'est kinky. Bah non, c'est pas kinky en fait. On peut pas traiter de ces sujets-là de manière kinky en fait. C'est répréhensible quoi. Et là, de ce que j'ai lu sur le bail, c'est vraiment très... Enfin, ça paraît grave, quoi. C'est décomplexé, et là, juste pour faire des choses bizarres, quoi. Mais déjà, même dans certaines œuvres où c'est là pour montrer des choses horribles, c'est rarement bien fait, tu vois. Enfin, par exemple, y a une scène dans Game of Thrones qui, à mon avis, n'arrivera peut-être pas dans les livres. Et si elle arrive dans les livres, je suis pas sûr qu'elle se passe comme ça. Et déjà, même entre... la première scène entre Daenerys et Drogo se passe pas pareil dans la série que dans les livres. D'ailleurs, il y a eu plein de bails sur le tournage des scènes de sexe sur Game of Thrones et qu'apparemment, c'était vraiment un enfer... Et que c'était mal géré de fou quoi. Bah oui, puisque les livres n'arriveront pas. Ah, y'a... Ne parlons pas des sujets qui fâchent, là. Ça arrive bientôt, là. Ça arrive soon. C'est comme Silksong, c'est comme Diablo 4, c'est soon TM. Winds of Winter, en vrai, c'est l'année prochaine, là. Putain, mais j'ai eu tous les Devil Deals, c'est impressionnant, quand même. Alors, la vérité, ça, ça met quand même bien, le souffle de sang. Diablo 4 s'attise fort en ce moment. Bah pour les Game Awards à mon avis on va avoir comme prévu et comme spoilé entre guillemets là. On va avoir l'annonce des précommandes. Oh nice, putain j'ai tellement eu de la chance d'avoir la Momkey. Mais si bien. Demain, il y a des NDA qui finissent pour pas mal de créateurs de contenu. Sûrement les créateurs de contenu qui ont eu accès à la bêta privée, là. À l'alpha privée. Je suis sûr que t'as fait la bêta fermée. Je n'ai pas fait la bêta fermée. Je n'ai pas fait la bêta fermée de Diablo 4. Pas du tout. Alors déjà, si je l'avais fait, en effet, j'aurais pas le droit de vous le dire. Mais du coup, par contre, comme j'ai pas signé de NDA pour vous... J'ai le droit quand même de vous dire que je l'ai pas fait quoi, ça j'ai le droit. Mais si... Après, en vrai, si j'avais... Je pense que si tu l'as fait, la bêta fermée, t'as quand même le droit de lire que tu l'as fait, t'as juste pas le droit d'en parler quoi. T'as juste pas le droit de dire si t'as bien aimé, qu'est-ce que machin, il y a un NDA qui doit arriver à un moment où après tu peux parler de ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as vu, est-ce que t'as kiffé et tout, plus tard. Mais je pense que t'as le droit de dire que tu la possèdes, moi j'ai le droit de dire, j'ai rien signé, je crois le dire que je l'ai jamais possédé. On m'a proposé, ce qui est un peu interdit, et je l'ai pas fait. On m'a proposé un petit partage de compte et je l'ai évidemment pas fait. Donc j'aurais pu. Je l'ai pas fait. T'as des preuves que tu l'as pas fait? Non. Mais j'ai pas besoin. C'est exactement ce que dirait quelqu'un sous NDA. En vrai non. Mais... Le vendeur. Je vais rattraper les subs bientôt là. Je suis désolé là. C'est la caféine. J'ai envie de gagner ma run. Tout le monde a dit que j'allais perdre toutes mes runs à cause de la caféine. Envie de gagner le challenge Bloody Mary là. Badam, 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 badam. Mais oui, à mon avis, genre le leak n'est pas un leak, mais enfin n'est pas une rumeur. Hein. Je pense que c'est un vrai leak. Game Awards, on va avoir la date et les précommandes. Et comme un connard, je vais évidemment préco le max sur Diablo 4, comme le pire de tous. Mais parce que je l'attends depuis trop longtemps là. Pas la préco. En vrai, je demanderai à Ben d'essayer de me trouver une petite OP. Pour ne pas regretter la préco, petite OP. Hein. De toute façon, je suis obligé de le préco parce que je suis obligé d'y jouer. Goal Z Event, je suis obligé. Je suis obligé. Je suis obligé, j'ai le marathon à faire pour le Goal Z Event. Donc à partir de là... Je suis obligé d'avoir le jeu en fait. Merci Alpha Aegis du coup pour les 41 mois, Dr Phoenix pour les 11 mois, j'espère que ça va la chiche, la bise, des gros bisous. Merci Retical Dogo pour les 20 mois, Uriu pour les 11, à l'aide les pubs, le Prime à trop dodo, merci Fuphonix pour les 17 mois, Soulish pour les 2 mois, Nono Duluc pour les 19 mois de Prime, Newton pour les 11. Quatrième tentative pour partager ce 11e mois, des gros bisous, merci Saïta pour les 19, Bungie pour les 68. TDC, merci pour les 5 mois de Prime, quel plaisir de retrouver le chiche en sortant du boulot. Merci Crucirus pour les 31 mois, Duxor pour les 17, G pour les 50, Hellfire merci pour les 30 mois, Psim pour le Prime, Curtis God pour les 73 mois, One T pour les 6 mois, Deathboy pour les 9 mois, Gogo Power Rangers, merci Daptar pour les 75 mois, Monsieur Gridou pour les 16, Focam pour les 4, merci pour ces 17 mois de brasse à Fefi, Eniture pour les 6 mois, Tom FBB pour les 10 mois, Lobino pour les 9, Familator, ça je l'avais dit je pense, merci à l'instant, Aubergine Tonic pour les 11 mois de Prime, GG. Et j'ai envie de vous dire, même les Game Awards, je pense qu'on va avoir la date de Silksong. Et c'est pas pour vous arnaquer vos points de chaîne. Mais un petit peu quand même. Alors, point d'exclamation, Silksong. Pour le prochain défi. Point d'exclamation Silksong. Afficher le total qui est à 73-33 depuis des mois n'est plus vraiment utile. Oui, bon, c'est mon overlay. C'est pas grave. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent au score. Prescription Silksong pour participer au prochain défi et peut-être être tiré au sort pour me donner votre défi Isaac. De toute façon, la saison 3 de Garo Goubit, c'est vraiment pas pour tout de suite, hein, puisqu'on fait la nouvelle save début janvier et ça, la saison 3 arrivera après la nouvelle save, vu qu'on va pas faire de Garo Goubit pendant la nouvelle save. 3 janvier, nouvelle save, et une fois que la nouvelle save est terminée, saison 3, je pense. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent à Silksong. Bon, ça a l'air d'être un petit jeu indé, je sais pas si tu connais, hein, c'est un peu comme Shovel Knight, là, ça a l'air marrant, quoi. J'avoue, mieux dormir les mardis où on te bat. Hop là. Parce que j'ai quelqu'un qui, depuis des mois, m'envoie des messages sur Discord et je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai dû le bloquer parce que c'était bizarre. Hein. Genre vraiment... Un anglophone qui... Je sais pas pourquoi, toutes les 3 semaines me demande est-ce que ça va, bonjour. Une fois, je lui ai dit, bah, est-ce que t'as quelque chose à me demander, je comprends pas pourquoi tu me parles. En fait. Il me dit non, non. Alors du coup, bah, je parle pas, enfin, je connais pas cette personne, elle me dit rien. Du coup, là, pour la 6e fois où on me demande comment ça va, voilà. Je comprends pas trop en vrai. But how are you? Mais ça va, en plus la première fois j'ai dit oui ça va, qu'est-ce que tu veux? Rien. Je suis en mode bah du coup on se connaît pas, au revoir, je sais pas, genre c'est bizarre. T'aurais dû lui envoyer une photo recto verso de ma CB, non mais sûrement. Merci Twidoubi pour les 2 mois, The Miss Day pour les 30 mois. Merci beaucoup. Peut-être il fait un sondage sur si les gens vont bien ou pas. C'est simplement en train de recevoir l'argent pour le prochain tirage. Et en parlant de prochain tirage, je draw et c'est Flo0123. Et tu l'as, Flo0123. Pour le prochain défi, bien sûr. Merci pour le virement. Sur Telegram, tous les jours, j'en reçois des hello, bonjour, comment ça va? Merci My Little Canard pour les 9 mois, coin. Coin, coin. S'il est pas là, mon pseudo est plutôt proche. Mais il est pas là, Flo? Personne n'a vu Flo 0123? T'es là ou t'es pas là? Vu. Ah. Et du coup, il a donné son défi direct. Isaac V2, chest, tu dois prendre tous les items rencontrés directement sans sortir de la salle et toujours la pire option possible. Hein? On retire au sort là, on fait quoi là? Prendre tous les items. All item, pire choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on juge du pire? Bah, je pense que ça va être assez facile. Hein. Il suffit de les reposer. La moins bonne qualité, peut-être? Pire option égale item de la moins bonne qualité. Si les items sont de la même qualité, tu dois prendre celui qui a la pire synergie. Ok. Bah ça va être injouable je pense. Je vais enlever le vendeur tout de suite là. On va jamais avoir un item de qualité bonne. Ça va être incre. Du coup vraiment pas le droit à Abel. Hein. Alors attends parce que... ça me paraît bizarre là. Hâte de voir les 8 HP up. Bah, je pense que c'est le défi où faut pas aller jusqu'au chest. Hein. Y a quoi comme bon item en qualité 0? Bah après, on peut avoir de la chance et tomber sur qualité 3 et qualité 3 quoi, mais... Et surtout que je dois cycler les items, c'est-à-dire que quand je retrouve des objets que j'en ai déjà 8, je dois quand même en prendre un nouveau, c'est ça? Je sais pas comment on repose les objets par contre. La strat c'est de puer nulle part quand t'as un build. Oui, mais j'aurais jamais de build déjà et je suis obligé de passer par des endroits où il y a des items en fait. T'enlèves le meilleur des 8. Non mais c'est bon, en fait on n'a jamais d'objet quoi. Déjà un damage up on n'en aura jamais un, à moins qu'on ait damage up versus un item de qualité 4 ou ce genre de truc quoi. On teste, hein. Moi je teste, hein. La personne a gagné, je teste le défi. Hein. Par respect. Bah, je pense juste que le respect ça va dans les deux sens et que l'objectif ne mérite pas d'aller jusqu'au chest, mais ça c'est pas grave. Urgent, Ursaf paye. Hein. Et mais il y a combien de mauvaises nouvelles en même temps avec ce défi là? C'est qui? Lapinou underscore. Non mais une mauvaise nouvelle après l'autre quoi. C'est trop 10 subs. Hein. Ça devrait être 5 je pense. Viens là. Le mardi comme un lundi. On va regarder les Game Awards normalement. Alors après je sais pas à quelle heure j'arrive. Ça explose pas du coup, what the fuck. Ah donc là ça va être la date ski quoi j'imagine. Hein. Hop je paye l'URSSAF, 10 subs. Ça part maintenant. Sifly a été nerf, ça a été nerf mais ça n'a pas perdu en qualité je crois pas. Hein. Lapino underscore. Hein. Écoute, GG pour ces 1 million de points. Putain, mais vous regardez vraiment tous les streams, hein. C'est pas possible. Hein. Je sais pas comment vous faites. Hein. Vu nouvelle règle, hein. Je peux rajouter une règle si trop dure. Hein. Tu peux décider de prendre. Hein. C'est quoi? Tu peux décider de prendre 2 items que tu gardes jusqu'à la fin, peu importe la qualité. Ok. Hein. Mais je pense qu'on va tester, de base hein, déjà, je vais tester de base le défi, voir s'il était faisable ou pas. Hein. Asinalio pour les 17 mois, merci King Molda pour le Prime, Asmodeu pour les 18 mois de Prime, je fais péter le Prime, Lys pour les 4 mois de Prime, on réveille le Prime vite fait bien fait, des gros bisous. Merci, merci. Du coup là c'est quoi? C'est la Datski qui a la moins bonne qualité? C'est dans la nuit de jeudi à vendredi les Game Awards. Personne suit les qualités des items là. Merci Deneb pour les 1 an de prime, pas d'Ursaf mais un petit prime. Merci beaucoup. Datki 2. Sifly qualité 4. Ah bon? Ah oui d'accord, bon bah il n'y avait pas de mind game quoi. 0 mind game. C'est ça, rien d'autre quoi. Donc ça peut pas être là, mais ça peut peut-être être là. Moins du tout. Active extérieur, item description, il donne les qualités. Je l'ai pas sur mon jeu. Je joue sans mode, moi. No mods. Horrible. Mais comment si à chaque item c'est un activable plus mauvais? Bah je sais pas. Bah je prends rien. En vrai c'est pas possible parce que par exemple en boss room il y aura pas que des activables. Oh la redescente du café là. Oh plus jamais le café, c'est vraiment la pire idée que j'ai eue de toute ma vie là. Bon là j'ai pas l'argent de toute façon. Café quoi. Alors que le crack, ça j'aurais dû prendre du crack. Je pense hein. En plus du café quoi. On attend Bozo, bah je me suis bien fait Bozohead déjà là. Merci Sinestia pour les 5 mois, je sub pour un Goubit pour augmenter mes chances d'être pique, ça tourne mal. Je ne fais pas ça. Hein. Déjà, c'est interdit. Alors, il y a un truc qui est interdit, c'est de réserver un tirage au sort aux subs. Mais après, tu peux genre activer des options où les subs ont plus de chances d'être tirés au sort dans un tirage. Et ça, je le fais pas. De toute façon, tout le monde est sub ici. Hein. Je chercherais bien la Secret Room classique aussi. Barre de savon. Ouais, donc là, c'est le HP up, par exemple, quoi. Genre... La barre de savon, c'est qualité 3, le HP up, c'est qualité 1. Bon, bah voilà. Zéro mind game, encore une fois. Putain, mais c'est pas là. Ah, c'est genre ici, non? Après, en Devil Deal, peut-être qu'on trouvera des items où il y aura de la qualité. Hein. C'est pas exclu, hein. Vu le nombre de fois où tu payes l'URSSAF, tout le monde est sub. Mais oui, j'arrête pas. Je ne fais que ça de payer l'URSSAF. Et je crois qu'il y a un problème avec les subs offerts, c'est que ça part pas tout le temps sur les gens qui sont en live. Parce que moi, le nombre de fois où je reçois des subs sur des chaînes que je regarde souvent, mais où je suis pas là, que genre je suis pas sur le stream, je reçois un sub de la chaîne, et t'es persuadé que quand la personne a offert les subs, il y avait des gens pas sub dans le chat, tu vois. C'est sûr et certain, tu vois, c'est impossible. Là, c'est des chaînes où il y a plein de gens, tu vois. Ça t'arrive tout le temps. Wait, vraiment. Ah ouais, vraiment. Hein. Si vous êtes en live, en train de regarder, vous n'êtes pas garanti d'être les premiers à récupérer les subgifts. Hein. C'est un subgift dirigé. Oui, mais ça, des fois, il y en a aussi des subgifts dirigés, mais les subgifts dirigés, tu les vois. Enfin, quand je reçois des subgifts dirigés, la plupart du temps, c'est je suis là, quoi. Genre, je parle sur un chat et quelqu'un me l'offre. Genre des chaînes allemandes. Faut juste être follower pour avoir un gift. Ouais, mais enfin, ça devrait quand même prendre d'abord en compte les gens qui sont follow et qui sont en train de regarder le live à l'instant T, je pense. Parce que je sais pas du tout comment ça marche. Alors, c'est quoi la pire qualité, là ? En vrai, spin to win, ça reviendra à changer d'item actif. Peut-être je peux garder mon item actif quand même. Hein. Je prends ça. Merci Popolette pour les 9 mois, des gros bisous. Pas d'URSSAF, mais un petit prime, merci Deneb. Ça, je l'avais lu, je crois. Twitch favorise peut-être les personnes récurrentes aux viewers qui viennent de follow ou qui viennent la première fois. Possible, hein, ça c'est possible. Mais tu vois, je suis persuadé qu'à chaque fois, il y a des récurrents qui sont en live et peut-être, je sais pas. Je sais pas comment ça marche la vérité. Donc, Alors la Buster Box pourrait être bien, mais le temps de la remplir c'est foutu. Au pire j'achète rien, hein. Je suis pas obligé d'acheter. Hein. Ah si Mukshi pour les 14 mois. Bon, je comprends pas le message. Hein. Il manque des mots là, merci pour les 14 mois. Merci Calyptus, mais non je t'ai pas loupé, c'est sûr que non. Merci beaucoup, Calyptus. Ah non, c'est beau, The Witcher le 14. Ah. Bon, je l'avais peut-être loupé, en vrai. Je l'ai peut-être loupé, mais c'est pas grave. Hein. J'ai rattrapé derrière. Merci, Jolapoire, pour les 21 mois. Vite, le badge sub. En vrai, c'est juste qu'il y a des moments où je risque moins de louper, quoi. En vrai, le trinket est pas mal, ouais. C'est pas sûr qu'on garde ça jusqu'au bout, mais tant qu'on l'a, ouais. C'est ça, il y a des moments. Il y a évidemment des moments. Larry JR. Larry la merde. Mais non, mais je veux le poisonnade. Juste qu'il y a un cooldown. On joue avec les armes qu'on a. Hein. Oh, c'est quoi le pire qualité là? Quelle est la pire qualité d'item là? J'en suis des streams sur YouTube. Oh, j'en ai jamais fait quoi. Donc à partir de là, je pense que leur lecteur est moins bon quoi. La médaille ou le jus? La médaille, c'est la pire qualité? La médaille, c'est 1. J'ai juste joué, c'est 2. Bon bah la médaille alors. Oh non mais là... Le jeu troll quoi. S'il m'avait proposé couteau ou brimstone, bon bah ça m'aurait mis bien. Mais là il me propose deux merdes. Moi je m'en vais en God Room. Hein. Je dois me battre avec ça. Hein. Peut-être aller voir au shop. C'est loose. Mais non c'est pas loose. Putain. C'est jamais loose, quoi. All item. Et all item, c'est quand t'as le choix de le prendre. C'est pas quand tu dois payer. Ça fait des années que je fais Garo Goubit. Ça fait des années qu'à chaque fois, je dis ça. Et à chaque fois, c'est les mêmes qui redisent. All item, putain. Parce qu'à ce compte-là, il fallait acheter l'item au shop depuis 1000 ans aussi. C'est pour ça que la personne qui a fait le défi avant et qui a dit all pilule, il a dit all pilule, sauf... celles où tu dois les payer. Mais après, il n'avait pas besoin de le préciser. En fait, il aurait dû préciser même celles que tu dois payer si jamais je dois payer. Et c'est la règle intrinsèque de base. Si vous me dites all item, si vous voulez que je prenne tous les Devil Deal, tous les trucs payants, faut le dire. C'est all item gratos, quoi. Tout ce que je vois que je peux prendre sans me malverser, quoi. C'est la même règle depuis, ça fait 6 ans que je fais ça. C'est au moins 6 ans que je fais ça. Ça fait 6 ans que c'est comme ça. Après, il est jamais trop tard pour que on revienne sur cette règle et que Flo nous dise ce qu'il préfère. Hein. Ça, bien sûr. Juste que des fois, j'oublie de redemander, quoi. Il a dit Isoké, t'as raison. Flo c'est quelqu'un d'assidu sur l'émission Garo Goubit, il savait très bien. Il savait ce que ça engageait. Si c'est payant, t'es pas obligé de prendre. Ah, Flo, il regarde Garo Goubit. Ah, c'est pour ça qu'il a été tiré au sort. C'est pour ça que Flo a été tiré au sort, parce que les gens qui sont tirés au sort, c'est les gens qui connaissent les règles en fait. Flo est un complice. Alors, c'est quoi la pire qualité là? Je pense que c'est le slibar. Le slibar, la pire qualité. Enfin, on peut s'accorder sur le fait que c'est le pire item des deux, quoi. Pourquoi c'est un stats up, quoi. Le jugement. Pour des chances de God Room, peut-être. Hein. Merci à Damantium pour le Prime, Nintic pour les 8 mois, le père de Kyle, c'est un dauphin. Putain, j'ai pas la ref, désolé. Les deux étaient qualité 1 sinon, ok. Tant pis pour l'île Portal que de toute façon je n'aime pas. Oh, dites-moi que c'est la même qualité s'il vous plaît. Ah oh, c'est la même qualité ça, c'est 2 et 2. Putain, je suis sûr que le truc là, l'orbital c'est qualité 1 et que les nonos c'est qualité 3. Merci Eternel Jean pour les 26 mois, Scorpio pour les 7. Encore un sub anniversaire, mais c'est tous les mois ou quoi? Merci pour les 27 mois, Sister Elite, Jolapoire 21. Compound de fracture, c'est 3. Bones 3, et du coup l'autre, c'est qualité combien? J'imagine que c'est qualité nulle. Hein. L'autre, c'est 1. Allez. J'hésite à prendre le trinket de poison, mais... Je sais pas. Le poison durerait 2 fois plus longtemps, je crois. Là, je suis sorti de la pièce, j'ai perdu, là. C'est perdu de fou, là. Je suis sorti de la pièce, j'ai fait 70 opti et je suis revenu, c'est loose. Non ? J'ai pas eu tout ce que j'ai opti, quand même, en faisant ce petit aller-retour, hein. Vas-y Kubiko pour les 18 mois. Merci pour la face Core Keeper. Aïe aïe aïe. Trop bien Core Keeper. C'est quoi fait. C'est bien. T'es level combien? T'es level combien sur... Oh non mais ah ouais, bah alors là je vais pas avoir le choix en fait. Ah si je vais avoir le choix malheureusement. Ah c'est bon, je sais, hein. Je sais qui est le pire, hein, c'est bon. J'ai même pas eu une once d'espoir, hein, alors vraiment... C'est quoi la pire qualité entre Deck of Cards et le truc invincible? C'est quoi la pire qualité entre ces deux-là? Unicorn Stump, ça doit être qualité 2 au moins. Non, Deck of Cards, c'est peut-être qualité 2 aussi. Hein. Deck of Cards 2, Unicorn Stump, c'est combien alors? Ça peut pas être plus que 2 en vrai. 1. Oh, Unicorn Stump, c'est 1. Ça fait pas de dégâts cette merde. Ah ça se trouve il y a un espoir que la Blue Candle et la Carbatterie aient la même qualité. Je me fais sûrement des énormes films, mais il y a peut-être un espoir. À vous de me dire. Merci Archeline pour les 13 mois et Roi des IZ pour les 4 mois. Salut Chiche, me manque plus que mes... Hein? Il te manque plus que tes quoi? Bizarre. 3 et 3 je dirais. Carbatterie 3. Les 2-3 il me semble. Candle c'est 2. Blue Candle c'est qualité 2. Non mais vous êtes en train de me bait là. Vous êtes en train de me bait juste pour que je perde en fait. Non, je suis en train de cliquer premier degré. Oh, non. Aïe aïe aïe. C'est toujours meilleur quand on est payé en vrai. Utilise l'argent de l'OP pour venir sur Dragonfly. Et t'es sauvé. Je te donne les vraies strats de streamer là. Oh bah là j'ai le choix là. Là c'est 2 qualité 3 là, c'est sûr. C'est damage up lock up ou damage up. Mais les deux sont qualité 3 je pense. 3 les deux. Pire synergie. Oh tiens regarde. Vous allez, je vous laisse débattre. Alors là, il y a débat par contre. La pire synergie, c'est évidemment de prendre le lock-up parce que la meilleure synergie, c'était de prendre le bonus de Godroom pour avec le pentagramme en fait. En plus, j'ai rien basé sur la luck, donc c'était évidemment celui-là la pire synergie. Révélation, c'est naze. Hein. Non mais Révélation, je pense que c'est qualité 4 en vrai. Est-ce que je dois prendre le pire des 4? Ou est-ce que je dois prendre le pire sur un des poteaux là? Flo qui parle dans le chat. Ah c'est Flo qui doit nous dire. Hein. Merci Aurel Mag pour les 8 mois de prime. Hein. Le pote qui tourne, c'est sûrement le pire des 4 hein. Halo Ground, c'est qualité 1. C'est qualité 1 le truc à droite là? Go le prendre. Non. Super. My bad. Il a 10 pires des 4. Une fois la barre d'item pleine, je peux enlever les items que tu veux, peu importe leur qualité. Ok. Redonne-moi ça. Ça va jusqu'au bout. Là on va au bout là. Là on va au chest là. Je vais plus en item room pour pas perdre ma Blue Candle et puis c'est bon hein. So long. J'ai un damage up, j'ai Blue Candle, j'ai des points de vie, je peux plus perdre, hein, c'est pas possible. Hein. On va pas prendre la clé de l'ange. C'est pas bête ça. Hein. Come on. Et come on. C'est vraiment de la teubie le truc là. In the city. C'est un peu les bars, hein. C'est un peu un jeu des bars aussi WoW, hein. Avec les réputations et tout le bazar là. C'est un peu un jeu où on remplit des bars en vrai. Hein. Je m'attendais pas trop à ça mais... Je remplis des bars un peu. Hein. Imagine le choix entre Godhead et Sacred Heart. Le son des hauts faits en plus. Bon. Dans quel jeu la musique? C'est dans Tortue Ninja. Running through my veins. Le Tortue Ninja qui est sorti cette année là par Dotemu. Quel grand jeu en vrai. Plus haut de cécité, tu vas faire comment? Ce que je propose pour Fléau de Cécité, c'est que je vais prendre que l'item de boss et de Godroom, et s'ils sont bien, s'ils sont trop bien, je les repose quoi. Genre si c'est des qualités 1-2, je les garde, sinon je les garde pas quoi. J'avais fini le Tortue Ninja, on l'avait one shot. On avait fait une run one shot. C'est pas un DLC Elden Ring là, c'est juste une mise à jour de PVP. Hein. Enfin, une mise à jour est un DLC, mais je veux dire, c'est pas un DLC payant au sens propre du terme, quoi. Ou sinon, je ramasse rien en blind, donc tant pis. Hein. De toute façon, on ramasse déjà rien, là. On a déjà le droit à que dalle. Hein. J'irais bien au shop, quand même, pour vérifier les cœurs. C'est juste le pire choix, le défi, donc si t'as pas de choix, tu peux prendre comme tu veux. Alors on pourrait l'interpréter comme ça. Ça, c'est l'interprétation de l'arnaque. L'interprétation de l'arnaque, c'est que de toute façon, je ne vois pas, donc j'ai le droit de prendre. Tu peux prendre ce que tu veux en blind, j'aime l'aléatoire. Ah, c'est Flo qui a parlé. J'ai le droit de prendre ce que je veux. Mais du coup, par contre, je dois le garder, genre. Parce que je peux juste le reposer si ça me plaît pas. L'aléatoire avec Isaac V2, ça existe pas trop, quoi. Le fameux j'aime l'aléatoire, mais en vrai, il n'y en a pas, quoi, donc... Ah si Sam pour les 28 mois de T2, 28 mois déjà c'est le pire semaine Goubit que j'ai eu depuis des années, c'est de garder le sourire, des bisous au chiche stream. Prends soin de toi. Prends soin de toi là. Bon courage. Je suis en descente de caféine là. Est-ce que je le bute lui? Je pense que je bute les deux. Hein. J'essaie de booster mes chances de Devil Deal là. Hein. L'aléatoire hein. Côte pointue. Non mais vas-y, c'est sérieux. C'est ça l'aléatoire. C'est bien de la merde l'aléatoire. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ça? C'est juste 0 sur 20 en vrai. Poguise. Hein. Poguise la côte pointue. Hein. Faut le dire vite hein. Pour recycler à barre d'item, si tu as pire que ce que tu avais, c'est tant pis. Ouais, je sais bien. Après, en vrai, c'est un HP up. J'ai enlevé un HP up, je suis pas non plus dans la sauce. Hein. Ouais, je vais sûrement enlever Hallowed Ground, si je suis pas sûr de m'en servir de cette daube. Hein. C'est pas vraiment une daube, mais c'est pas ouf. Hein. Tainted Mom's Knife. En vrai, avec BFF, ça fait un peu de dégâts. C'est pas genre horrible tiers. C'est un peu comme le doigt, quoi. Mais je crois que le doigt est quand même un peu meilleur en termes de DPS. Curieusement. Da 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 down down down. Waouh. Oh non non bah non. Bah après heureusement parce que du coup ça veut dire que j'ai une chance d'avoir un truc de fou. Et la chance se trouve toujours en haut à gauche et c'est tout de suite la Godhead. En vrai ça va hein. Bon j'ai pas d'argent mais... Oh, devait y avoir des dingues, c'est sûr et certain, devait y avoir des dingues, mais j'aurais jamais pu les prendre de toute façon donc. Non! Fume-le là! T'aurais été frustré, oh, sûrement. Bon, par contre, j'aurais jamais assez de pognon pour en faire quoi que ce soit de ça. T'arrives dans cette Godroom sans clé et sans le vol, bah voilà. Faut toujours arriver avec des ressources en Godroom quoi. Alors le pire choix entre cercle de protection et salvation, en sachant que je suis pas obligé, je suis vraiment pas obligé parce que c'est à l'achat. Je pourrais aussi faire juste des achats de cœur. D'ailleurs en vrai on va au moins acheter ce cœur bleu. Mais alors j'aimerais bien connaître la qualité de salvation et de cercle de protection, j'avoue. Surtout pour cycler genre la lèpre nulle là. Salvation c'est 3 et cercle de protection c'est combien? Avez-vous la ref? Circle c'est 2. Regarde. Okay. Je vais le prendre du coup. Avec un bon activable, en fait, c'est plus jouable que ce que je pensais. Le problème, c'est que dès que... Ouais, si on tombe sur des activables de God Room, là... Après, ce qui est bien avec le... Je suis pas obligé d'acheter avec l'échelle de Jacob, là. Donc en vrai, ça va. Si j'ai le choix et que le pire choix, c'est un activable, je peux juste ne pas le prendre. C'est bien que la run se soit mise en position God Room. Petit glace cannon en God Room, je crois que ça existe pas. Hein. Il y a l'activable de comment ça s'appelle là, va des rétro là, qui fait exploser les fantômes. Donc lui, j'en ai déjà tué un dans l'étage, donc je vais pas en tuer plusieurs non plus, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais stop! Vas-y mon petit doigt crochu. Fais-toi plaise. Mais du coup, oui, en effet, Game Awards jeudi, je sais juste pas à quelle heure j'arriverai en stream, parce que vu que les Game Awards commencent à 2 h du matin, que Geoff Keighley lance son stream à 1 h 30, là, hashtag nos pubs. Geoff Keighley lance à 1 h 30, mais pour faire un pré-show. Alors les pré-shows de Geoff Keighley avec à base d'annonces de saison de Fall Guy, bon... À base d'annonces de map à Mongus, là, ça me sauce moyen, quoi. Le pré-show, c'est rarement un grand moment. Le problème c'est que des fois maintenant dans le pré-show ils annoncent des comment dire, des awards quoi. Genre l'année dernière il me semble que la meilleure OST elle a été annoncée pendant le pré-show. Genre Enfer et Damnation quoi. Je suis pas obligé d'acheter. Cher. Par contre je vais me prendre avec plaisir le petit cœur bleu hein. En vrai, cette année, s'il n'y a pas un petit concert de God of War, je pète les plombs. Si cette année, ils respectent pas la meilleure OST en mode... on en fait un vrai award en plein milieu de la cérémonie avec vraiment la musique des jeux sur scène, là, je casse tout. Hein. Parce qu'à chaque fois, ils respectent les GOTY en mode, il y a toujours un petit medley avant l'annonce du GOTY en mode, voilà une musique qui est présente dans chaque GOTY, quoi, genre les main thèmes tous en medley, quoi, avec un orchestre. Mais des fois, ils font venir aussi des musiciens, des OST, genre l'OST gagnante. C'était au Game Awards, la chanson de Sable, hein. Je sais plus. Mais c'était au Game Awards que Sting était venu chanter la musique de, comment ça s'appelle là ? Truc Riot là, Arcane. Oh, je vais pas aller là. D'ailleurs, moi j'avais pas vu la série donc c'était juste un peu cringe. Hein. Âme d'Apollyon. Sting c'était un peu gênant en vrai. Bah c'était ouais, c'était bon, c'était bof quoi. Ouais. On a eu Persona 5. C'est vendredi 2 h du mat, dans la nuit de jeudi à vendredi. Bah je pense que le pire c'est Breakfast, bizarre hein. Oubliez qu'il y a Steam qui donne des Steam Desk pendant la cérémonie. Des Steam Deck, je veux dire. Merci Camille pour les 14 mois. Oui, bah de toute façon, maintenant, c'est marketing. Enfin, ça l'a toujours un peu été, mais ça l'a jamais autant été. Donc maintenant tout le monde essaye de s'inviter un peu aux Game Awards pour prendre un peu de hype quoi. Tout le monde veut faire partie de la grande fête du jeu vidéo. Mais si vous pouviez lâcher une petite préco et quelques clics en vrai, ce serait encore mieux quoi. La fête serait encore meilleure. La fête avec quelques billets c'est toujours, toujours une meilleure fête quoi. La fête où t'achètes une boisson énergisante de The Rock, c'est quand même un autre délire. Hein. Bon, j'ai pas d'argent de toute façon, donc Holy Mantle, tant pis. Trop cher, et puis c'était sûrement moins bien que Soul Locket. Moi, je rêve d'un teaser de, du prochain MH, là. Il doit rester quoi en vrai? Il doit rester deux mages de Sunbreak. Ils vont bien nous montrer le prochain quoi. Je prends rien. Nick. Juste deux images là. Deux images de MH World 2. Ah ah non, 2024 Paradise. Oh. C'est quoi? Il y a des leaks? Monster Hunter Paradise? Bah en vrai si ça sort en 2024 tu peux avoir un teaser maintenant hein, juste avec le logo hein. CMH Paradise, oui. Non mais vous dites bah oui genre comme si c'était connu. Non mais what the fuck, genre j'ai jamais entendu parler d'un MH Paradise confirmé ou quoi bah oui c'est ça, bah oui oui. Ah non Évidemment que leur com actuellement elle est axée sur Sunbreak qui va sortir sur Xbox et PlayStation. En vrai à mon avis plutôt à l'E3. Plutôt à l'E3 de l'année prochaine, une image du prochain MH. It is known. Bah non it is pas known pour le coup. Hein. It is zero known. Si E3 ça existe encore. Mais même si E3 n'existe pas, c'est une période de communication qui sera toujours utilisée par les éditeurs. Les éditeurs font leurs propres events digitaux maintenant. Digital event. MH et Paradise c'est une fake news source site PlayStation. Non mais au-delà de la fake news en fait, enfin je veux dire c'est une rumeur dont j'ai jamais entendu parler donc déjà c'est un peu bizarre. Parce que je suis énormément tous les trucs de leak etc. Mais je veux dire, la seule chose que tu peux confirmer sur MH, c'est que c'est loin d'être une licence morte, donc évidemment qu'il y en aura sûrement une suite, et que ça, normalement, autour de l'équipe qui a fait World, de sortir un jeu, parce qu'ils ont deux équipes. Il y a l'équipe A, qui fait les plus gros projets, entre guillemets, donc ils ont fait World Iceborne. Là, l'équipe 2 a sorti Rise Sunbreak, donc normalement, c'est autour de l'équipe 1, maintenant, de sortir un jeu. Donc sûrement une version next-gen. Mais alors, par contre... c'est juste qu'on connaît leur calendrier de sortie habituel, quoi. On sait que ça sort comme ça. C'est quand en fait, MH c'est comme Pokémon, c'est un peu réglé, tu vois. Il y a un jeu qui sort, puis son DLC, sa version Ultimate maintenant, machin, c'est title update et tout. Et tu sais qu'au bout d'un moment, après, bah t'as le prochain jeu, quoi. Donc si tu connais leur calendrier de sortie, tu sais à peu près quand devrait sortir le prochain. Si tant est qu'ils continuent comme ils ont toujours fait, quoi. Ça se tente la pilule dans ce contexte? Bah ça peut, mais si c'est Tears Down, j'ai juste un Tears Down seul pour ma gueule. Si c'est Tears Up, bah j'ai aussi un gros Tears Up. Je sais pas, c'est toujours pilule tiers quoi. Je sais pas pourquoi je me bats, j'essaye de trouver du pognon je pense. Hein. Je pense qu'il y aura un délai plus long, sinon c'est 2023. We'll see, we shall see. Non mais je veux pas aller là en fait. Je ne veux pas changer mon activable. Merci Xalor Blue pour les 5 mois. Des gros bisous. Merci à l'instant Ethereas pour les 11 mois, j'ai enfin fait Outer Wilds, quelle pépite. C'est pas mal en vrai. Vivement le 2. La pièce pour Stairway. J'ai des pièces là aussi. Oh, pas mal, hein. Besoin d'un prêt, là. Blood Bag ou Black Bean, hein. Je pense que le Blood Bag, c'est plus que qualité du Black Bean, non? À vous de me dire. Black Bean, je pense, c'est qualité 1. Blood Bag, je pense, c'est qualité 2, vu que ça donne un speed-up, mais je suis pas sûr. Black Bean, c'est 0. Ah oui, d'accord. 0 et Blood Bag 2. Donc ah ouais. On en est là. On parle de qualité 0 là quand même. On en est donc là quoi. Il a eu 0 sur 20 le Black Bean. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est fort hein. Il mérite un petit nerf je pense. On m'a dit chest hein. Je suis déjà TP au Devil Deal, les gens voulaient pas. Mocasse. 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 The Mind ou Lazarus Rags. Alors je pense que le pire des deux c'est Lazarus Rags et que j'en veux pas. Donc tant pis. Je prends rien. Faudrait que je tombe dans la situation où deux bons items sont en même temps quoi. Genre Sacred Heart ou Godhead par exemple. Halo ou Immaculate Heart, enfin ce genre de situation quoi. Sortie de la dernière update d'Iceborne, 1er octobre 2020, sortie de Rise 26 mars 2021, pour se faire une idée, trailer de Rise 2 semaines avant la dernière update d'Iceborne. Ouais. En vrai il y a plus de chances qu'on entende parler de... Après, le trailer de Rise il est sorti à un moment en mode Nintendo Direct parce qu'il y avait l'exclu Nintendo aussi qui était joué. Le trailer du prochain sera sûrement... Ah en vrai... Un moment de communication qui pourrait être très bien pour le prochain MH, ce serait trailer... Après, ça se trouve, il y a des deals qui ont été signés, donc j'en sais rien, mais... S'ils ont un deal Microsoft, pourrait y avoir le prochain Microsoft 3, tu vois. Genre juin de l'année prochaine, ils pourraient faire une grosse annonce à ce moment-là. Hein. Après, Microsoft se concentre beaucoup sur les jeux qui vont sortir dans l'année, on le sait. Donc à moins que ça sorte vraiment dans l'année qui suit. Capcom un deal Microsoft. On sait pas, hein, Microsoft, ils font des deals avec tout le monde maintenant, donc... Et surtout, je pense que Capcom est dans une situation où, s'ils ont un deal, pourquoi pas, mais ils veulent vraiment sortir leur MH partout maintenant. Malgré le deal Nintendo, MH Rise Sunbreak est sorti sur PC, et maintenant il va sortir sur Xbox Series et PlayStation, quoi, donc... Ils le savent, hein. MH c'est plus une licence de niche. Hein. On oublie le Toulouse Game Show. Ah dommage. C'est une bonne fenêtre je pense. Ouais. Je pense que Silksong sera Day One sur Switch, faudra encore attendre. Oui je pense qu'il sera Day One sur Switch. Il a été surtout confirmé Day One Game Pass Silksong. Ouais. Et ça c'est assez huge aussi. Hein. Petit Toulouse Game Show là. Day One dans une autre réalité surtout. Mais il arrive là, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est sûr, on a la date. Hein. Vous pouvez miser tous vos points de chaîne, ça va arriver, c'est Geoff Killy me l'a dit là. Geoff Killy qui a dit, qui l'a dit qu'il y est, qui aurait Silksong. C'est confirmé. Oui, bah je sais ce qu'est le pire. Ah ça c'est intéressant. Là c'est sûrement, il y a sûrement un choix là. Enfin, déjà, je suis obligé, mais la médaille de consolation, je crois que c'est perma, non? En vrai, je m'en fous. Les deux sont 3. Rosary, 2. Non, je crois que Rosary est 2 et l'autre est 3, non? Ils sont que 2026. Ah, ils ont pas le... Normalement, tous les jeux, Microsoft l'a confirmé, présents à l'E3, dans leur conférence E3, devaient sortir maximum un an après. Sauf éventuel, évidemment, report, etc. Mais normalement, tout ce qui a été montré chez Microsoft cette année en juin a un an pour sortir. Après, ils peuvent dire, ouais, en fait, c'est chaud, les gars, mais... Pour l'instant, on a une date approximative, c'est maximum juin 2023 pour Silksong. Reste à voir les détails, quoi. La Switch Pro, c'est imminent. Je prends rien. Tant pis. Je garde mon argent. Le pognon, ça reste à la pogne. La Switch Pro, là, c'est imminent. Annoncé au Game Awards, je pense. Retenez-le. Les Game Awards, cette année, c'est Préco plus date de sortie de Diablo 4 en avril. C'est Silksong en mars. C'est la Switch Pro en mai. C'est... Vous pouvez noter, hein. Je suis en train de vous faire la liste des leaks, là. Tu feras un bingo? Non, on va en faire les bingos que pour Nintendo Direct. En plus, il sera 2 h du mat. Hein. On n'aura qu'une envie, c'est de péter les plombs. Je le sais déjà. Je serai pas sous caféine en plus. Mais la vérité, tu sors une nouvelle Switch avec Tears of Kingdom. Je pense que c'est le moment. Nintendo, là. Une petite Switch Pro pour Tears of Kingdom, tu la vends comme des petits pains, non? La vérité. La Switch, elle s'est vendue comme des petits pains avec Breath of the Wild. Une Switch 2 avec Tears of Kingdom, c'est garanti. Moi, j'achète. Hein. Ça a duré combien de temps? Putain, ça dure à peu près 1 h à chaque fois. 2 h, pardon. 2 h, 2 h 30. Dispo en magasin avant la PS5. Ce serait beau, hein. Déjà hâte du replay de ton stream le lendemain matin au bureau. Ah mais enfin, on va pas parler de choses qui vont peut-être te fâcher, mais il n'y aura pas de replay. Les Game Awards, c'est full copyright, donc il n'y aura ni replay, ni rien, ni clip, que dalle. Hein. C'est un one-time event, désolé. Il y a un moment non plus, il y aura rien. Après, s'il y a Silksong, bon, on n'est jamais à l'abri, mais... Non, il n'y aura pas de moment. Alors, il y a un moment s'il y a la Switch Pro, quoi. Mais il n'y aura pas la Switch Pro, donc... Non, malheureusement, vraiment, c'est trop de risque de garder ces trucs-là sur Twitch maintenant. Moi, je prends pas de risque. Il va y avoir les vieux jeux nuls, là, avec des bonnes musiques copyright, là, dont les trailers, tu sais, le jeu, il a l'air pas ouf. Alors, du coup, on te met une musique bien connue, là, bien DMCA, pour faire genre, waouh, le trailer, il pète. Putain, ça envoie, là, il y a du rap et tout. Il y a du hip-hop. Gigabash 2, hein. On est venu pour perdre. Je suis venu pour perdre. Dibidibidim. Moi je pense que c'est le retour de Rayman. Je pense que déjà, il arrive dans un DLC de Mario Rabbids. Donc je pense que Rayman va revenir là. Je pense honnêtement qu'un jour, s'il y a une conférence où Rayman revient, je monte mon cul. Hein. Je pense que j'en suis tellement là dans le non-espoir de Rayman. Mais évidemment que Breath of Life, c'est de la merde. Je vais pas prendre ça, putain. Parce que là ça compte pas, genre un DLC de Mario Rabbids, il y a Rayman qui vient, super. Et une suite de Rayman Legends qui est un des meilleurs jeux de plateforme jamais sorti sur Terre, ça par contre non, ça on va se torcher le cul quoi. Ils sont tous partis sur, sur Have a Nice Day de toute façon. Console-toi avec Silksong. Mais Silksong, c'est pas un jeu de plateforme. C'est un Metroidvania, Metroid même like, plateforme action. Enfin, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est pour faire un retour à la Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 4, le jeu est excellent. Hein. Genre, t'as pas aimé Crash Bandicoot 4, bah t'as pas aimé Crash 1, 2, 3 en fait. Enfin, vraiment, y a pas d'autre conclusion en fait. Non, si t'as pas aimé le 4, t'as pas aimé le 1, ni le 2, ni le 3. Hein. Ou alors, bah du coup, t'as aimé le 1, le 2 et le 3, mais tu les aimes encore maintenant que par nostalgie en fait. Crash Bandicoot 4, c'est une masterclass quand t'aimes Crash. Hein. Le monde miroir a bien à chier. Et non, enfin après, faut pas avoir le fear of missing out de voir absolument le 100%. Hein. Le jeu en est 10%, c'est une masterclass. Et déjà à l'époque, tout le monde faisait pas le 100% de Crash Bandicoot parce que ça a toujours été dur. Hein. À part Crash 3 qui est sûrement le plus simple, les 100% de Crash ça a toujours été compliqué. Hein. Jusque là, bah évidemment celui-là est très très long. Quoi. Le jeu aurait mérité d'avoir des stages plus courts, du coup il aurait eu encore plus de stages quoi. Il y a des stages qui peuvent être coupés en deux. Et du coup, le jeu aurait deux fois plus de stages. Mais le jeu est fou, hein. Non, je vais pas aller là. Comment on va faire pour le chest? C'est par entité, du coup? Rayman en open world avec des milliards de quêtes FedEx. Et ta monture c'est Murphy. Hey Rayman! Ton premier vol en parachute? Sans parachute! Rayman! Quel enfer, putain. Doublé par Lionel Astier. Non, non, mais non, non. Avec la voix de Lionel Astier. Rayman Frontiers. Oh, Sonic Frontiers quoi. J'ai toujours pas touché hein. J'étais tellement un fan de Sonic quand j'étais jeune. Hein. J'étais tellement turbo fan de Sonic. Sonic Frontiers c'est le jeu de rêve de mon adolescence. J'aurais rêvé d'avoir ce jeu quand j'avais 12 ans. Hein. Maintenant je sais pas. Hein. Sonic Frontiers il me fait peur. Hein. C'est un jeu qui me fait peur maintenant. Hein. Je pense que quand t'as encore les lunettes, Sonic Frontiers c'est incroyable, mais les lunettes de Sonic, moi je les ai perdues depuis pas mal de temps quand même, donc j'ai un peu peur du jeu en vrai. Hein. Let's go. Comment? Sonic est mort, ouais. C'est terrible. Mais... La peur de potentiellement pas s'amuser. Bah c'est ça quoi. La peur de voir encore un jeu Sonic qui détruit le perso, quoi. Comment on va faire ici, du coup? Combien item room? Ouais, mais j'y vais pas par choix en fait là. Spear of Destiny ou Dead Dove? Tiens, je me demande quelle qualité. Je pense que Dead Dove a une meilleure qualité, mais je suis pas sûr en vrai. Quelle est la meilleure qualité des deux là? Merci petite estafette pour les 6 mois. Hilar, merci pour les 14 mois. Merci Toxic pour les 74. Minfir pour les 4 mois. Eljeb pour les 9 mois. Un prime qui dort, merci beaucoup. Le plus cher, j'imagine. Spear, c'est 2 de mémoire. Dove, c'est 3. Et c'est vrai que si j'ouvre des coffres, j'ai potentiellement le somme, quoi. Bah, en fait, on dit la qualité 3... Enfin, la qualité peut que être meilleure parce que c'est plus cher. Je suis pas sûr, hein. Je suis sûr qu'il y a des items de même qualité où il y en a un qui est à 30 balles et l'autre à 15 balles. Hein. Enfin quoi que non, peut-être pas. Peut-être plutôt qu'il y a des items de qualité 3 à 30 balles et des items de qualité 4 aussi à 30 balles. Oh la run à walpé quand même, hein. Vraiment on est à walp. Hein. Heroes and... Oh j'aurais tellement aimé une TP. Ça aurait été fou. Oh le bâtard, vraiment pile au moment où je m'y attends pas quoi. Non. Ah mais Beyond Good and Evil 2 c'est pareil, il est là, hein, il est au Game Awards c'est sûr. Mais je pense que d'ailleurs Beyond Good and Evil 2 va signer finalement le retour de Rayman. Ce sera Rayman dans l'espace, Rayman Frontiers, Rayman Citizen. Tu pars avec ton vaisseau là et bah, c'est Rayman quoi, Rayman dans l'espace quoi. Et ton bébé Yoda c'est Murphy quoi. Outer Rayman, non. C'est un miracle que j'ai pas pris de tarte dans la gueule, hein. Le map dog. Rayman et Mario aux Jeux Olympiques. Rayman et Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. La Blue Candle, c'est vraiment fort. Bah, c'est qualité 2, hein. En vrai, pas fou, hein. Attends, mais là, mon Spotify, il a enchaîné tout seul, là. C'est pas comme ça qu'il est réglé, normalement. Poussez-vous! Non! Normalement, je lui avais interdit de faire ça, Spotify. Pourquoi il fait ça? Non! Oh, vas-y, meuf, vas-y, vas-y, c'est bon aussi! Je suis sûr que, en vrai, c'est la même qualité, les deux objets, là. Je suis sûr que c'est la même qualité. Après j'ai trollé à tuer lui en dernier. Monsieur Boom. C'est quoi la qualité là? C'est quoi le pire? En vrai, le pire c'est Ouija Board. Q1 Boom, Q2 Ouija Board. Ça vous arrange bien ça. Hein. Je fais pas de dégâts sans les flammes. Hein. Je peux ouvrir d'autres coffres, du coup MDR. C'est vrai. Pour me trouver à faire un choix entre Wiz et Isaac Sart, là, plutôt qu'à Néant. Allez, c'est bon! Cercle de protection, il... malverse, là. Oh, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Mais c'est bon! Cannes un jour là, ça fait 15 ans que je lui tape dessus là. Il a pris les 20 boules. C'est le FF mental ça, j'ai plein de cœurs rouges derrière. Ouais. Si Rita pour 14 mois. Oh, il y a la Soul of Forgotten aussi, hein. Incroyable ça. Mais attends, mais je suis en lecture random là. Wow, 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 faut arrêter ça là. Faut que je retourne dans mes réglages, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est connerie? Un petit coffre pour la route. Voilà. Et je sais pas, qu'est-ce qui est le plus horrible entre les deux là. Je connais pas la qualité de ces items là. En vrai, Marc est pas si mal. Hein. Si la pire qualité c'est Marc, c'est pas si horrible. Hein. C'est pas si pire. Marc, c'est qualité 1. Les deux sont 1. Eh bah allez, les deux sont 1, tiens, hop. C'est décidé. Et si c'est pas le cas, c'est tant pis. C'est pareil. Virus et le saut. Bah, je suis sûr que le pire, c'est le saut. Allez, hop. De toute façon, maintenant... à partir de maintenant, c'est moi qui décide. Saut qui a été 18. Ah, oh, dommage. Hein. 54 minutes de run, là. C'est moi qui décide. De toute façon, c'est pas toi qui décide. Arrête. Il a bien FF mental. Mais non, mais j'ai gardé la Blue Candle tout le long pour qu'on me la sucre à 2 salles de la fin. Faut arrêter, quoi. Tout ça pour que je fasse 2-0 en plus, quoi. À gauche! Je suis censé faire quoi là? Mon personnage me fait peur là, on dirait un mec de la Gestapo de Game of Thrones là, les religieux là. Il est chauve avec une croix sur la tête. Il se bat avec un surin. Le grand moineau. Bah tout du moins les comment dire, les malversateurs du grand moineau là, les sbires. Les moinax. Les moinales. Hein. Les décideurs. Hein. Les septons. Non, bah non, justement, non. Ouh! Mais ils ont un nom, hein. Ils ont vraiment un nom, par contre. Genre lui, c'est le grand moineau, là, mais... ils ont un nom, c'est sa faction, là. La foi militante, je crois. C'est la foi militante. Les petits moineaux. Putain, 2-0, quoi. On a fait ce défi de l'enfer. Archive, point d'exclamation, café, CAFE. C'est parti, c'est maintenant, point d'exclamation café. Je suis en pleine redescente de caféine, là, j'ai les doigts qui tremblent. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais pour être tiré au sort et vous donner le troisième défi de cette soirée. Bien sûr. C'est pas toi qui décide. Merci Kelta pour les 20 mois. C'est pas toi qui décide, en effet. Ça resub tout seul. En fin de retour d'un voyage de 2 mois au Népal, j'ai regardé un ou deux VOD là-bas, mais avoir un stream en live, ça fait plaisir. Des gros bisous Esteban, bon retour, merci pour les 18 mois. Merci Marmotte pour les 43 mois de Prime, des gros bisous. Merci, merci. On m'a mentionné là, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Nan, nan, ok. Qu'on soit des mentions qui font peur, là. Elle dure longtemps la redescente du café là, c'est le café qui redescend ou on a mis de la drogue? La drogue! Il y avait de l'héroïne dans mon café là, il y avait du laudanum. Oh, c'est la redescente de WoW ça. C'est la redescente de Marvel Snap là. J'ai commencé la nouvelle saison là. Enfin, Marvel Snap, c'est vraiment je suce le jeu, quoi. J'ai cru entendre que tu cherches un monteur, mec, qui gère ton TikTok. Ouais, exclusivement un mec, bien sûr. Vous savez très bien que je travaille pas avec les femmes. Non, je cherche quelqu'un... Je cherche pas activement, non. Je le dirai si quand je chercherai activement quelqu'un qui travaille sur le TikTok. Je n'ai pas... Je n'ai pas encore... Enfin, j'en ai parlé, quoi, mais j'ai pas encore pris la décision, là. Laissez-moi redescendre des papiers de... Ça y est, j'ai accès à mon compte en banque de Sazu, là. Ça y est, c'est ouvert. J'ai changé mon mot de passe et tout. Le mot de passe, c'est 7... Ah non. J'ai accès au compte en banque de la Sazu. Pour l'instant, il n'y a pas d'argent. Le virement du capital arrive dans les 2 jours, là. Pour l'instant, la Sazu, elle est à 0 €. Soutenez la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit sub parce que pour l'instant, la trésorerie, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'argent. 0. Actuellement, le streamer avec le moins d'argent. Merci Bad Bros pour les 11 mois de Prime. Actuellement, on larme d'avoir 0 €, quoi. Mais c'est ouvert, là. C'est bon, là. Par contre, ça met un peu la pression, hein. Parce que tu sais, tu te connectes à ton appli caisse d'épargne, machin, tu te connectes, t'as ton compte courant, ton PEL, machin, bon, tu vois, il y a 2-3 boutons, tu vois. Tu te connectes au compte de ton entreprise sur caisse d'épargne, il y a 70 graphes dans tous les sens, vos projections sur 10 ans, t'as des courbes partout, là, t'es en mode oula, 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 vos échéances, vos machins, vos trucs, t'es en mode oula, 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 là, mais je veux pas regarder ça, moi. Tu te connectes, ça devient genre la Banque de France, le truc, c'est n'importe quoi. La maison, ça en est où? Ça en est qu'on a contacté un expert par le contact d'Aeterna. Elle a appelé l'expert, qui est censé nous chercher notre bien en location, là, mais il y en a tellement pas qu'on a toujours pas de nouvelles pour l'instant. Et on n'est pas très proactif, enfin Aeterna beaucoup plus que moi, mais... Là, faut qu'on se lance à fond, à deux... pour trouver la petite location qui va nous permettre après d'être sur place et de chercher le bien à acheter. Et d'abord, on va commencer par une location. Et c'est chaud. C'est chaud parce qu'on travaille beaucoup tous les deux et que comme on travaille beaucoup, on prend aussi du temps pour nous. Et quand on prend du temps pour nous, bah du coup, on cherche pas la maison. Donc... Je vais dormir dans mon salon. À 3 là, à 3 dans l'appart là. Merci Ramistouflette pour les 22 mois pour la Zazu. Merci beaucoup. Et c'est vrai que dans les biens qu'on cherche, il n'y a pas grand chose. En location, c'est plus en achat. Mais du coup, acheter en étant à distance, c'est chaud. Merci Dacta pour les 10 subs. Hein. Je l'avais pas vu, mais merci beaucoup. On tire au sort tout de suite, le point exclamation café. Merci beaucoup Dacta pour la maison. Merci en falche. Enfin, bah, merci en falche. GG en falche. En falche, es-tu là pour ton troisième défi, bien sûr? Surtout acheter quand tu sais pas ce que t'aimes dans la ville, c'est chaud. Non mais voilà, mais enfin il y a plein de raisons qui font qu'on commence par une location, mais dans les biens qu'on recherche pour Roscoe principalement, il nous faut du terrain, il nous faut qu'on soit pas trop près de genre d'un centre-ville et tout, faut qu'on ait des espaces verts pas trop loin non plus quoi. Hein. Donc, en fait c'est assez chaud de trouver une location comme ça quoi. Faut qu'on ait de la place pour installer une pièce de stream et tout. Mais bon, j'ai bon espoir, on trouvera. Prise de tête un peu, ouais. Mais en fait, c'est surtout le rythme de vie qu'on a qui fait qu'on n'a pas... Enfin, c'est bien d'avoir une agence qui cherche pour toi, quoi, parce que en vrai, sinon tu pars en burn-out de la vie, quoi. Merci Somnite pour les 10 mois. Merci beaucoup. Il est là, en falche, Ilouel, bien sûr. En falche. Vu, vous me dites vu, et je suis le seul à pas voir. Alors Jacob V1 en mode bodyguard, mais ça veut dire quoi ça? Déjà, où est-ce que je dois aller et qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît? Est-ce que tu cleans la liste du giveaway à chaque fois? Oui. Un perso peut prendre tous les items, l'autre que les cœurs. Ok. Ok, ok. C'est moi qui choisis ou c'est toi? Et je dois aller où? Jacob, tu me diras où c'est. Un perso, all item. Un perso, all cœur. Boss rush, mais non mais ça va, non mais... Eh, moi je fais un effort pour pas insulter les gens, il faut le faire en retour aussi. Qu'est-ce que c'est que cette insulte là? Elle m'a pris par le callback, elle m'a dit tu vas voir toi, tu as bouffé tes morts. Ok d'accord. Non mais pourquoi pas. Il me faut de la zikmu par contre. Comme ça. Un petit clown là. Un petit clown là. Hey Jacob et Esso. Ça va être du beau. Boss rush quoi. Je sais pas sur qui je vais mettre les objets. Je pense que le bodyguard ça va être Jacob. Et Esso va tout prendre. Quoique Esso a beaucoup moins de points de vie, non? Ah, c'est chiant ça. Le fait de pas. Après, si Esso prend tout. Ah oui, non, mais si Esso prend tous les objets, il aura sûrement des HP up. Ouais, faut le voir comme ça en fait. Tous les cœurs au sol, c'est Jacob qui les prend, mais par contre, tous les items, c'est Esso. Bah super, déjà ça faut qu'il se fasse toucher pour que ce soit utile. Quid des all stats up? Bah c'est pour Esso, c'est lui qui prend tous les items. Tracker. Ça devrait être obligatoire avec ce personnage, c'est vrai. Non mais je crois que les HP up c'est pour le personnage qui prend les items. Hein. C'est juste que, par exemple, les cœurs bleus, faut que ce soit sur Jacob. Les cœurs rouges au sol, c'est sur Jacob. Mais les HP up, c'est sur Esso. Genre, il prend tous les items, quoi. Enfin, d'après ce que j'ai lu, je comprends ça, moi. Après, j'ai peut-être pas compris, mais... C'est la délicieuse. Last course. Confirmé, c'est ça. Voilà. J'aimerais trop savoir ce qu'ils font au studio MDHR là sur... Est-ce qu'ils prévoient une suite à Cuphead ou est-ce qu'ils partent sur complètement autre chose? Parce que Cuphead et le DLC c'est tellement masterclass que... C'est un peu comme savoir ce que fait Mobius Digital en ce moment, quoi. C'est de l'or de savoir ça. Avoir plus de nouvelles aussi du projet de Matt McGames. Super Giant. Ouais, Super Giant aussi, en vrai, je suis assez intrigué. Hein. En tout cas, ça part bien pour le boss rush, là. La 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 la. Voilà comment je suis... Voilà le niveau de bonheur de ces items là. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Oh non. Oh non, la baise. Oh le boss. La pub de Genshin avant le stream de chez Sheiyu. C'est la mauvaise nouvelle quoi. Je vais gagner de l'argent qui vient de Genshin et j'y peux rien quoi. J'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix en fait. J'ai vu des bouts du concert de Andrew Pralo, ouais, c'était trop bien. Hein. J'ai eu Fortnite en pub. Oh bah je prends l'argent, le Fortnite je prends l'argent, y'a pas de souci. Hein. Fortnite il passe des pubs sur ma chaîne, c'est pas grave, je prends l'argent. Hein. Ils ont rien à prouver. Hein. Pour item Jacob et sur le tracker, faut que tu coches l'option. Ouais, je sais. Mais il me semble qu'à un moment, tu me disais que ça a été réglé du coup. Parce que je crois qu'il y a un moment où tu me disais qu'il fallait pas que je le fasse, que ça buguait, je crois. Après, en vrai, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Enfin j'adore le tracker externe, mais enfin, l'option in-game pour Jacob et SO, c'est bien meilleur, quoi. Genre, tu pourras pas... C'est pas possible de faire un tracker externe propre pour ça, je pense. À moins de vraiment se séparer en deux aussi sur le tracker, mais... Et bah, 5 minutes, hein, direction boss rush. Non. J'arrive fort, là. J'arrive en légende au boss rush. Zoom, mon casse-tir. Code créateur, chiche. Ah bah oui, mais j'ai un code créateur. Bon, après, je pense que mon code créateur m'a rapporté à peu près 0€ grâce à Fortnite et au V-Buck, mais il a déjà rapporté un peu d'argent grâce à d'autres jeux. Eh, hey, mais au Game Awards, on va aussi avoir du gameplay de la suite de Fallen Order, et ça fait plaisir, ça. Jedi, je sais pas quoi, là, Survivor. Là. En fait, finalement, ça va être un vampire-like. Mais avec Caleb et des sabres laser, quoi. Hâte de collectionner des ponchos. Putain, mais j'ai trop aimé, moi, le premier jeu, hein, vraiment. Jedi Electronic Arts. Mais Electronic Arts ou pas, c'est Respawn derrière, et Fallen Order, c'est juste trop bien. Hein. Le jeu a des défauts, hein, mais je veux dire, tous les jeux ont des défauts. Ah oui, mais non, mais Respawn, c'est vrai que les gamers les aiment plus parce que ils ont pas fait Titanfall 3 et parce que Titanfall 2, ils ont raté les mises à jour alors qu'il y a 2 joueurs, quoi. Oui, non, c'est vrai. Hein. C'est vrai que la communauté des gamers en veut à Respawn parce que Titanfall est plus suivi, là. Hein. Le jeu qui faisait 2 ventes, là. Non, en vrai, Titanfall 2, c'était vraiment cool. Hein. Un jour, ça reviendra. Hein. Respawn c'est Apex. Bah oui, mais c'est justement pour ça, genre quand ils ont fait Apex, tout le monde était là en mode quoi, vous faites un autre FPS qui est pas Titanfall RP Gamer là. Quoi Macmillan, tu fais un autre jeu qui est pas Binding of Isaac? Quoi Shishayou, tu stream autre chose qu'Isaac? Ceci est une descente de police. Après ça marche avec tout hein. Allô, il y a là de la barbe. Les femmes ont de la barbe. Les femmes. Infernal. Bah les true gamers, c'est des gens très passionnés. Hein. Les true gamers sont des gens passionnés. Putain mais 8 minutes 20 quoi. Ça commence à être un peu chaud, il va me falloir un banger item là, par pitié. Au moins que j'arrive à aller jusqu'au boss rush, ce serait cool quoi. Le gagner, j'y crois moyen mais... Sait-on jamais, sur un malentendu. Oh mais vas-y mais... Tu peux pas faire ça. Tu peux pas me donner que des... Oh. Tu peux pas me donner que des items actifs. Ça marchera pas ça. Oh. Ouais mais du coup je perds de la speed sur les deux. Oh oui, festival. C'est nul ça. Merci Delboost pour les 1 an. Un broken modem à trouver du Dead God. Merci pour tous les tips pour y arriver, chiche. Bah écoute, GG. Hein. Malgré les tips, c'est derrière la manette, donc... Well played. Ouais. Putain, j'ai pas trouvé de HP up, ça saoule un peu. C'est short en time, là. Bon. Là, non. Je suis bien, là. Je suis right on time, comme qui dirait. Ça marche comment la luck? Bah la luck est... Je crois qu'il y a que le personnage qui a le A+, qui gagne la luck. Hein. Bah ça se voit en fait, j'ai 1 de luck sur Jacob et 9 de luck sur Esso. Juste les tirages au sort sont basés sur le personnage qui a le plus de luck je crois. Hein. Genre par exemple là lui il a 9 de luck, donc en gros les tirages au sort de récompense de fin de salle c'est basé sur celui qui a 9 de luck. Par contre évidemment si Jacob... Il n'y a que 1 de luck, hein, genre les larmes qui peuvent tirer des dents, bah, ça va se baser sur sa luck à lui quoi. Ou non c'est une moyenne des deux. Non c'est une moyenne des deux pour tout ce qui est commun aux deux personnages, c'est une moyenne des deux je crois. Genre là pour les récompenses de fin de salle, tu prends 1 et 9, tu fais la moyenne et puis... Ça se joue comme ça je crois. Bref, je suis trop saucé du gameplay de Jedi Survivor et il a été pas mal de fois sur le Game Pass Jedi Fallen Order et si vous avez bien Star Wars, je peux que vous conseiller. Le jeu a des problèmes, notamment c'est un gruyère, du coup tu peux OOB, des trucs comme ça, mais il a une bonne histoire, un bon gameplay et honnêtement c'est très inattendu. Déjà, en effet, il y a EA à l'édition donc ça rassure pas à la base, mais Respawn a fait vraiment un bon jeu de plateforme action quoi. Il est à 5 € sur Steam. Et mais Star Wars aide quand même un peu, hein, parce que si t'aimes pas Star Wars, tu vas pas kiffer le jeu, je pense. Mais... C'est une OP? Ouais. Bon, le rêve, hein. Une OP sur Survivor Jedi, le rêve, hein. Oui, après, les gens vont... Alors, les vrais gamers disent aussi que bah, comme tu joues pas un gros mec musclé, mais un mec roux, un peu bah, lambda dans son design, bah, c'est pas bien. Il est pas assez charismatique. Le personnage est pas assez charismatique pour les vrais gamers. Et les Wookiees sont mal... En vrai, les Wookiees sont un peu moches dans le jeu, ça c'est vrai. Les Wookiees sont vraiment pas très beaux. En termes de... Enfin, genre ça... Leur texture va pas trop, quoi. Et oui, ils peuvent pas s'identifier. Mais non, mais si, justement, en fait. Le problème de Caleb, c'est que tu peux trop t'identifier. C'est ça le problème des vrais gamers. Oui. Allez, on a de l'espoir, là. J'ai appris le Wookiee en 5 minutes. Non, mais arrête. Me remets pas solo dans la tête, là. Cette séquence de solo où Anne parle en Wookiee, là, elle est encore trop inscrite en moi, là. Putain. Calquestis. Trop bien, mais vraiment. Il y a des scènes trop bien dans Fallen Order. Il y a une scène masterclass, là. En plus, moi, je l'ai fait sur la télé du salon, en 4K, sur la série X, là, avec le HDR et tout, là. J'étais trop bien. Tut. Ouais, par contre, hop là. Ah oui, aussi à la fin du jeu, tu sais, mais le mec. Le mec dans le chat en mode. Ah ouais, à la fin, quand il se passe ça, direct dans le chat, tu sais. Ça va, laissez quand même les gens découvrir le jeu, quoi. Je sais pas qu'il est sorti il y a longtemps, mais. Il y a peut-être des gens qui vont se faire le 1 avant le 2. Peut-être pas leur spoiler la fin, quoi. J'ai pas mis un 600, j'ai juste supprimé le message. Vous voyez des 600 partout, vous. Hein. Il est sorti il y a longtemps, je me suis plus senti. Moi, je me l'étais fait spoil. J'avais vu Juice faire le jeu. Et j'étais en mode, ouais, putain, mais je vais bientôt le faire moi aussi. Et du coup, j'arrive chez Juice et il était sur la séquence. Et je fais, ah bon, ah, ok, d'accord. Bon, maintenant, je le saurai alors. Hein. À côté, j'ai cherché et je crois que le titre de son stream c'était peut-être on finit le jeu aujourd'hui. J'ai cliqué, je suis arrivé, c'était The Séquence du jeu. Bon bah. Now I know, quoi. Ce serait peut-être temps que je le fasse, quoi. Mais c'est pas grave parce que le jeu a pas mal d'autres petites surprises. Hein. Et c'est la première fois que je me suis senti dans un jeu aussi puissant avec un sabre laser, quoi. Et ça fait plaisir. Hein. D'avoir un vrai retour combat sabre laser dans un jeu vidéo, ça fait trop plaisir parce que tous les jeux où on te dit oh mec pourquoi t'as pas joué à Jedi Academy sur GameCube, bah parce que le sabre laser il est full lunettes sur ce jeu, c'était bien il y a 1000 ans, quoi. Maintenant on se fait chier, quoi. C'était des bons jeux à l'époque, mais des jeux avec la techno de maintenant et où le combat est plutôt cool. Mais ils ont des améliorations à faire, hein. C'est vraiment pas parfait le combat sur Fallen Order. Il y a des imprécisions, notamment dans les esquives et tout, mais justement ils peuvent que s'améliorer, je pense. T'avais pas fait les pouvoirs de la force? Si, mais c'est pareil, enfin les pouvoirs de la force, ça a pris un coup de vieux, quoi. J'avais fait le 1. Le 2, je crois que le pouvoir de la force 2, c'est le jeu le plus court de l'histoire. Genre en 3 heures, tu l'as torché le jeu. C'est terrible. C'est des choses qui arrivent, hein, mais... Genre, le pouvoir de la force 1, il est pas si court. Il est pas long, mais il est pas court. Le 2, c'est genre, tu l'achètes, tu vas le revendre 3 heures après, quoi. Grosse désillusion pour le 2. Ah ouais, non, c'était vraiment un DLC plus qu'un jeu, le 2. Hein. Moi, je me rappelle d'un jeu Star Wars sur PC que j'avais fait Tipiak. C'était République Commando. Comment c'était trop bien ce jeu. Bon, c'était bien lunette, hein. Maintenant, je pense que c'est bof, quoi. Mais putain, à l'époque, sur un Windows 97, là, où j'ai fait Windows XP. Putain, mais comment c'était trop bien. D'ailleurs, Star Wars, c'est le Lego. Oh, le Lego Star Wars qui est sorti cette année, il est vraiment bien. Hein. Il a des problèmes aussi, hein. Notamment ils ont crunché à balle pour faire le jeu, donc le jeu a des soucis. Mais il est pas mal le jeu. Hein. Je me dépêche. Non mais stop quoi. Star Wars Battlefront 2, premier du nom, quel méga dingue. Star Wars Battlefront 2 actuel, méga dingue, mais des années plus tard quoi. Parce qu'à la sortie, horrible lootbox a défini le standard de qu'est-ce qu'il faut plus faire en lootbox. Mais Battlefront 2 maintenant, c'est trop bien, hein. Bah, quand il y a du monde sur les serveurs quoi. Mais... En termes, je pense que Battlefront 2 c'est le meilleur jeu de, avec peut-être Squadron qui est sorti maintenant et mais qui est un jeu un peu particulier, mais en termes de FX Star Wars et d'ambiance, c'est un truc de fou. Hein. Quand tu lances une bataille sur Hot, bah t'y es. Hein. Y a tous les sons, y a toutes les musiques, y a le retour est juste dingue. Hein. C'est juste que c'est la pire sortie quoi. Moi je rêve d'un Battlefront 3, juste ils ont tellement pris la saucée à cause de. À cause des lootbox, que à la frame où ils annoncent un Battlefront 3, il y aura tous les gamers qui diront « Ah alors, avec encore autant de lootbox ?» Et bon, en vrai, ils auront raison de titiller, mais... C'est un peu tard pour ça. Hein. Oh, que de la merde. Oh, dur. Merci Valamo pour les 11 mois, des bisous. Bon, au moins, on l'a made tout ici, quoi. Pas que je me fasse toucher avec la couronne, ce serait cool. C'est qui le deuxième boss, là? Ok. Mon perso manque de tirail quoi. Pourtant il en a eu hein. Mais moi je trouve que Battlefront c'est trop, il y a trop de bonnes idées quoi. De reprendre un peu le principe de Battlefield avec les classes, tu marques des points, ensuite tu peux jouer un Jedi ou un Sith ou un héros, enfin... Ça fait qu'il y a un équilibre un peu particulier sur le jeu, ça peut être très unbalanced dans les games, mais c'est tellement plaisant en fait. Tant qu'il n'y a pas les lootbox autour. J'aime trop ce bail de tu commences par jouer un petit droïde de merde, sniper, puis après tu joues un gros droïde qui va en avant, là, genre droïde de casse. Et après tu te prends un Jedi, enfin plutôt un Sith là en l'occurrence. On peut retrouver The Old Republic. Bah ils le font là, il y a KOTOR Remake non? KOTOR il est en remake là. Je dis pas de conneries. Bon après KOTOR en vrai oui ils font un remake quoi, parce que c'était bien KOTOR mais KOTOR en 2022 bon c'est les lunettes quoi. Mais KOTOR remake si c'est bien remaké ça peut être très très cool hein. Il est en pause je crois. Ah, il a des problèmes de développement. Il est ANULED. Ah ok. Il est ANULED ou il est en pause? Presque annulé. Non, pas lui, c'est bon. C'est Jacob qui a été touché, c'est le bodyguard. Tu parles du MMO SWTOR. Ah! Bah, un bon nouveau MMO Star Wars, ce serait trop bien aussi. Hein. Il faudrait qu'il soit vraiment bien, quoi. Il faudrait qu'ils y passent du temps, quoi. Parce que SWTOR, ça a pris une claque, un peu quand même. Hein. Ça a pris une claque de l'espace. Je me rappelle comment à l'époque KOTOR, quand tu le lançais et que ça venait de sortir et tout, tu le lançais sur un PC portable, ton PC portable il s'envolait, genre t'avais 2 FPS, t'étais là en mode waouh putain c'est le futur, c'est trop bien, je vais partir dans l'espace. Et en fait tu partais jamais parce que ton PC le faisait pas tourner quoi. Et peut-être un jour on verra des images du MMO Riot quoi. Là déjà on a vu beaucoup d'images de gameplay de Projet L, hein, donc le fighter de Riot quoi, le versus game. Je suis vraiment déçu. Hein. Je sais pas si c'était déjà confirmé que c'était un battle tag, mais moi les jeux battle tag j'en ai tellement rien à foutre. On restera sur Street 6 comme des grands. Hein. Versus fighting battle tag ça m'emmerde. Hein. Déjà c'est ce qui m'avait emmerdé avec Dragon Ball Z Fighter Z, j'aurais bien joué mais battle tag j'en ai rien à foutre. Hein. On le savait, ok. Bah je le savais pas. Ah, le tag, moi je m'en bats les steaks quand même. Ah GG 3-0 hein. On va quand même continuer la run, on a Euchariste. Battle tag, ça veut dire que tu choisis pas qu'un seul perso, quand tu te bats t'en choisis 2 ou 3. Là je sais pas si c'est 2 ou 3. Et en gros bah en combat tu peux switch de perso ou demander l'assist pour continuer tes combos. Un peu comme les Marvel Capcom tu vois. Sauf que là à mon avis ça va être moins énervé que Marvel Capcom. Parce que Marvel Capcom c'est vraiment le summum de ça, ça devient illisible. En fait tu lances un combo, c'est limite des combos infinis de 70 coups. Où tu changes de perso en plein milieu du combo et tout, enfin c'est insupportable je trouve. Street 6 for the win, en vrai y'a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein. Street 6 ça a l'air trop bien. Hein. Là y'a une bêta qui revient la semaine prochaine, là on va y rejouer. Au début du projet ça devait être du 1v1 puis finalement c'est du battle tag. Hein. Jamais été trop Tekken, donc Tekken 8 m'intéresse pas plus que ça. Mais je suis tellement fan de Street, et là la bêta du 6 m'a tellement saucé que j'attends de ouf le jeu. En 99, j'avais pris le CD Half-Life de mon frère, j'avais installé sur le PC de mon internat, j'ai cru que ce truc allait imploser. Bah, en vrai, il était peut-être pas loin. Hein. Le CPU devait pas être trop content. Hein. Il avait peut-être jamais autant bossé aussi. Hein. Les jeux de street fighting, c'est pour ceux qui se paluchent sur leur compteur d'APM. Bah la vérité, les jeux de combat, c'est pas vraiment de l'APM. Hein. C'est plus de la mémoire musculaire et de la réaction. Après par contre, les jeux de combat à la Marvel Capcom, là ça devient de l'APM un peu. Hein. Ça devient un peu du bourrage de qui c'est qui rentrera le combo infini et tout. Mais les jeux de combat et les jeux de versus de manière générale, les jeux classiques, c'est pas... C'est une école de l'input, mais c'est pas non plus... Je sais pas. J'ai l'impression qu'on se touche là-dessus, quoi. T'as des notions beaucoup plus importantes comme le mind game et comme le placement, tu vois. C'est des jeux de placement, un peu. Mais c'est sûr que c'est l'école du gameplay et de l'input à la base. Ouais, j'ai la deuxième bêta de Street 6, je vais évidemment y jouer. Je suis un peu déçu que ce soit les mêmes persos. On nous dit que ça aurait été cool qu'ils nous mettent au moins 1 ou 2 persos sup, mais c'est pas grave, j'aime bien Kimberly donc je continuerai à la jouer. Oh oui, les APM ça a pas trop de sens. Toi, tu me dis StarCraft, c'est pour les bandeurs d'APM, oui, tu vois, enfin, c'est littéralement ça quoi. Ça et la stratégie, mais aussi beaucoup les APM. En stream, je sais pas, sûrement une session, j'en sais rien. En tout cas, moi je vais y jouer, c'est sûr. Ah, par contre, c'est pour me donner ça en God Room, mais c'était vraiment la peine. Pas trouvé mon perso pour la bêta d'SF6. Bon, après, tu le trouveras, je pense, ton perso sur la version finale. Il y a quand même beaucoup de personnages pour un. Enfin, de ce qui a été leak comme roster, enfin c'est même public parce qu'ils ont donné le splash screen avec tous les persos, il y a quand même beaucoup de persos pour la sortie du jeu je trouve. Il y en aura évidemment plein en DLC c'est sûr, on sait pas comment ça va fonctionner encore le modèle économique, enfin si ils en ont parlé je crois. Mais pour la sortie du jeu il y a beaucoup de persos hein. Moi j'ai hâte de voir le gameplay de genre Camille, j'ai hâte de voir le gameplay de la française, la Manon, Mimi, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. La disciple d'Abel. Hein. Parce que Kimberly, j'aime bien, mais je pense que c'est trop un perso du mind game à la Fuerte. Donc, du coup, à terme, c'est trop mind game, tu vois, de poser sur des bases solides, t'es obligé de faire que des choix pierre-feuille-ciseaux, quoi. Et sauf que tu les fais tellement vite que l'adversaire peut se faire bourrer, quoi. Mmh. Il me tarde Zangief, putain, mais les joueurs de chopper dans les Street Fighter, mais je vous déteste, vraiment, c'est terrible. Les choppers dans Street Fighter, y a rien de pire. Hein. Zangief, T-Hawk, là, bah. Horrible. Hein. Kimberly, elle remplace Maibuki, pour l'instant, ça dégoûte. Ouais, alors après... Elle... En vrai, dans Street 4, il y avait Ibuki et Guy. Et en vrai, elle est plus proche de Guy dans le gameplay que Ibuki. Elle est pas dans le roster d'ailleurs, Ibuki. Alors que Guile... Oh non, mais Guile, quoi. Guile, c'est si t'as envie de jouer tout seul, en vrai. Gouillet depuis Street Fighter 2, c'est RP bot, quoi. À chaque fois que tu joues contre un Gouillet qui sait jouer, t'as juste l'impression de jouer contre un bot. Elle y est pas, Ibuki, ok. T'es là, t'es en mode bon bah je saute, je prends Sonic Rush, là, Sonic Uppercut, là. Sinon, je prends le jeu de Sonic Boom à l'infini. Il va me zoner avec son bas gros pied, là, qui touche à l'autre bout de l'écran. Le flash kick, quoi. Le flash kick de mort. Supportable, Guillet. Somersault. C'est Guile, mais Guillet, quoi. Guillet. Guile. Guile, en fait... Moi, quand je vois quelqu'un jouer Guile, je me demande s'il s'amuse ou s'il joue juste parce que c'est fort. À chaque fois. Parce que Guile, c'est toujours fort, tu vois. C'est comme Ryu. En fait, Ryu, à chaque fois que tu vois un Ryu, tu te demandes si la personne le joue parce qu'il aime bien le perso ou s'il le joue parce que c'est Jean-Michel Vanni qui joue Ryu parce qu'il a toujours joué Ryu dans tous les Street Fighter, tu vois. Oh non, pas avec eux. Avec eux, c'est horrible. Guillet. Il joue pour le thème. Hein. Mais il a même plus son thème. Hein. On l'a fait le boss rush là, je fais juste la run classique. Ryu c'est Mario. Bah oui mais c'est Mario, voilà. Ça vaut pour Ken aussi. Oui, oui bien sûr. Après Ken maintenant je trouve qu'il a un gameplay qui est quand même bien différent. J'aime bien le fait que Ken c'est plus un Shoto classique quoi. Il a les armes du Shoto. Mais maintenant, son gameplay, il est très basé sur la course, un peu comme il avait dans Alpha... c'est pas Alpha 3 ou... C'est pas 3.3, il a ce gameplay-là, si, je crois que ça... Je sais plus si c'est 3.3 ou Alpha, où il a ce gameplay basé sur les courses et plus sur les tatsu et les coups de pied que sur le Shoryuken et... Même s'il a, il a ces armes-là aussi, mais... Ses forces sont aussi basées sur le déplacement rapide. Les joueurs Vega, t'en penses quoi? Bah sur Street Fighter 2 c'est la méta. Après sur d'autres jeux, bon. Street Fighter 2 c'est insupportable Vega. Hein. Enfin Balrog quoi. L'espagnol. Moi, mon perso du cœur, c'est Adon depuis Alpha 3, mais Adon, on l'a vu dans Street 4, et là, on le voit plus, là. J'espère que Adon, il va revenir dans Street 6 pour faire des Jaguar Kick, là. Jaguar! Jaguar Kick! L'insupportable Adon. Ah, il est Jaguar! Oh, SF5 il était décevant. En fait maintenant SF5 c'est un bon jeu mais genre pendant 2 ans ça a été l'enfer un peu. Vivement le retour de El Fuerte. Alors, en vrai Kimberly actuellement elle a un peu le rôle d'un Fuerte. Hein. Hermika dans Street 5 elle avait un peu le rôle d'un Fuerte aussi. Enfin c'est un peu le même genre de bail. Hein. Sauf que Mika elle a sûrement plus de défense et plus de dégâts aussi. Elle est plus bulky, quoi. Akan l'oublier. Akan, ouais, bon, Akan c'est particulier, quoi. Akan, t'as plus trop l'impression de jouer à Street, mais Akan c'était plaisant à voir des joueurs pros jouer à Akan. Yo loli. Akan c'était plaisant à voir, et les nains un peu moins. C'est quoi de M Bison? Insupportable. Je pense qu'ils vont pas arriver trop tard les chats de loup sur Street 6 hein, à mon avis. Hein. Ils vont balancer un bon DLC là. Hein. C'était qui avait le healing? Je crois que c'est Elena. Hein. 3-0 finalement. Pas un seul défi n'aura vaincu la caféine. Giveaway, point d'exclamation. Point d'exclamation Guy. G-U-I. Point d'exclamation Guy. GUI pour rentrer dans le dernier raffle de la soirée. Merci Shinji Kuja pour les 4 mois. Hello Monsieur Mayomoto, plus trop de temps de passer depuis la sortie de la soirée légendaire Hotline Miami. Du coup, je compense sur YouTube. Hâte que la VOD arrive maintenant que tu connais la méta. Des bisous. Des gros bisous. Merci Pollux pour les 54 mois. Valamo pour les 11. Boîte à eux pour les 46. Tijo pour les 10 mois. À combien de pourcentage de triche sommes-nous ce soir? 2% seulement. Exclamation Guy. GUI. GUI. Guy. Isaac, j'ai bientôt 5000 heures. Je suis à 4832 là. Donc sûrement 4835, 36 ce soir. Petit 5000 heures bientôt là. Exclamation Guy. GUI. Défi atteindre les 5000 heures ce soir. Merci Tofu pour le prime. Une soirée spéciale pour les 5000, je pense pas, mais... Mais bon. C'est vrai que c'est marrant. Un moment pour les 5000 peut-être, ouais. Peut-être un petit moment, ouais. Et c'est parti tout de suite. Le 4ème défi de la soirée avec Néode double underscore tiré au sort pour la 6ème fois. Et tu l'as, Néode double underscore. Live 24 heures pour les 4976. Non. En 24 heures d'Isaac, t'as plus de tête. Hein. Déjà 24 heures, t'as plus de tête, mais en 24 heures d'Isaac, c'est foutu. Hein. Autant me faire tabasser par lui, là. Vu. Néode est là. 7ème chiche. 7ème fois que t'es tiré au sort. Ok. Bye bad. Bah du coup tu dois 500 balles de plus. Après voilà. Dadadam. Est-ce qu'on peut proposer comme défi que ce soit Paris Gain hein? Il savait déjà qu'il avait gagné vu la vitesse à laquelle il a répondu. Compris pour ultra hard, simple et efficace. Tu es de famille avec Horty underscore. Hein? Bien sûr. Néode, t'es là ou pas? Néode, il a dit vu. Ah, boss rush, hush, no hit. Non mais attends, mais c'est bon, non mais c'est quoi là? Le perso de ton choix, hors les The Lost et Isaac, en bonus, c'est le chemin méga Satan si tu gagnes le tchal. Mais quoi? Mais attends, mais quoi? Boss rush, hush, no hit. Et pas le droit de prendre les holos. Mais bah merde. C'est pas comme ça que ça marche. Boss rush, hush, no hit. Et un menu maxi best-of avec ça quoi. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Néode? 500 balles, ça se mérite. Il s'est dit, c'est la 7ème, je donne tout. Tu l'as déjà fait, 3 petits points. Très bon choix de défi, bien sûr. J'aime le beau jeu. Mais comment ça? Mais par contre, je choisis le personnage que je veux hors The Lost, et hors Isaac. J'ai un super défi si jamais. Ah, faut être tiré au sort. Hein. Merci Relo pour les 7 mois, c'est qu'ils s'accumulent les primes petit à petit. Et sinon, j'ai vu là, hein, je vous ai vu. Hein, j'ai vu sur Twitter que à chaque fois que je poste, donc le mardi quand il y a Garo Goubit, et quand je le poste, le tirage au sort de défi, j'ai vu plusieurs personnes donner un défi qui a déjà été donné à Kofefe, de danser comme les Koopas, là. Mais juste que ce soit clair, si un jour je tombe dessus, je le fais pas. Hein. Genre, vrai, ça n'arrivera pas ici. Déjà, moi, je trouve ça incroyable que Kofefe l'ait fait. Moi, je ne le ferai pas. Hein. Donc bon, voilà. Juste, si un jour vous êtes tiré au sort, un conseil, mettez autre chose que ce défi parce que sinon je vais redraw. Donc juste, si vous avez un vrai défi, postez-le. Parce que sinon, si vous êtes tiré au sort, en fait, je vais juste redraw. Ou prendre le suivant, quoi. Faire la danse des Koopas, là, c'est non. Hein. C'est pas Bioba qui avait écrit ce défi. Bah Bioba le met toutes les semaines. Je sais pas si c'est Bioba qui a été tiré au sort chez Kofefe. Et du coup, il y a plein de gens qui le mettent aussi en défi. Arrête, c'est incroyable. Oui, non, mais je ne suis pas TikToker. Ridro, mais 0-1. Ouais. Bon, vas-y, on prend qui en no-hit, là? No-hit, boss rush, hush. Faudra un perso qui a Holy Mantle, genre. Tainted Judas. Non, ça, je vais me faire hit. Azazel. Bah non, Azazel, je vais me faire hit. Il est corps à corps, Azazel. Bethany, en vrai. Bethany, elle peut avoir pas mal de défense, des fois. Après, faut aller au boss rush. Donc, si elle a pas une bonne run, on aura rien, quoi. J'hésitais aussi avec Keeper V2. Il a pas dit que les Tainted étaient interdits. Non, il a dit pas Lost, pas Tainted Lost et pas Isaac, je crois. Pourtant, j'ai le Shisheo non officiel souvent dans ma FYP. Bah, je sais, mais dans ton fil, quoi. Keeper, tu vas te faire hit en volant les pièces. Eh, c'est bon, je fais ce que je veux, de toute façon. En vrai, j'aurais joué The Lost, sinon... FV2 c'était fort aussi hein. FV2 ça peut avoir tellement de protection. Eh va-t'en là au lieu de me faire peur hein. T'as pas noté le défi. Ah, ouais. Bien vu. Peut-être parce qu'on va le perdre en 2 secondes. Alors attends. Donc Keeper V2. Boss Rush. Hush. No hit. LOL. Non mais j'aurais jamais accepté ce défi si j'étais pas à 3-0. Ça va. C'est pour que vous vous sentiez pas trop perdant ce soir. C'est pour que vous reveniez, quoi. C'est pour que Ben, il remette une pièce dans la machine. Hein. C'est pour qu'il... Ah, on l'a bien eu, là. Ah, là, ce soir, on l'a bien eu. Il a cru, il allait faire 4-0, et en fait, non, il a fait 3. Ouais, bon, après, en vrai, on n'est pas obligé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? On joue Planétarium, bien sûr. Non, pas prune. Non, bah ça va s'arrêter maintenant. Dommage. Nice challenge, bro. Pourquoi il y a une mouche en plus, là? C'est bon, genre, vraiment, c'est bon. C'est un super défi. Le no-hit, c'est que des boss rush. Ah, je crois, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Les no-hit, c'est que boss rush et hush, hein. Le reste, j'ai le droit de me faire toucher, bien sûr. Gentil comme il a été, Néode, ça doit à 100% être ça, je pense. Non, non, all run. Non, mais t'inquiète, c'était de l'humour. T'inquiète, j'avais la ref. Non, 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 hein. Et j'ai payé, hein. Il a eu peur, hein. J'avais dit all run, hein. La subtilité. Ah, déjà un peu meilleur ça en vrai. Du. Après, il aime bien le beau jeu, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je pense pas, hein. Sa défense, c'était « J'aime bien le beau jeu ». Ça se plaide. Non mais c'est vrai. Pas les musiques qui font peur. Bah putain, je peux pas changer de musique parce que mon Spotify il fonctionne bizarre. Nananana nananana. Non attends. Ça y est, c'est quoi ça? Ça y est, quoi. Ainsi, Rougnax pour les 3 mois. Grotte XL, hein, bah super. Bah, c'est loose. C'est pas Foulette Caves XL, hein. Pas de me plaindre. Quand ça part par deux, là. Tu joues pas à WoW, Ben? Tu veux pas venir dans la guilde à Eterna? Oh les bâtards! Ils m'ont pranké, quoi. En vrai, je la joue. J'ai le droit à un hit. Mais ils m'ont mis l'avant derrière là. Genre déjà, dans quel univers je le one-shot pas le mob alors que je lui mets 2 balles à 5,19? C'est quoi cette brasse? J'ai le droit à un hit. J'aurais jamais accepté le défi si j'avais pas le droit au moins à un hit. Indodgeable, bah pff, si en vrai, fallait s'arrêter devant. Mais... je comprends pas pourquoi je le one-shot pas quoi, ça saoule. Hein. Défi c'est no hit, chiche, j'ai le droit à un hit. Mais j'ai le droit à un hit! C'est bon, genre défi no hit. J'ai le droit même à 2 hits en vrai. La vérité, pour boss rush Hush, j'ai le droit à 1 hit parce que c'est boss rush et 1 hit parce que c'est Hush. C'est tout en vrai. Jamais j'aurais accepté ce défi sinon. No hit, boss rush Hush, c'est quoi la prochaine étape? C'est ultra hard no hit, voilà, bah, super. Bah, j'ai attendu des mois pour être tiré au sort, mon défi c'est ultra hard no hit. Bon voilà, bah, en 2 secondes c'est perdu. Voilà, bah, perdu. J'ai le droit à 1 hit par salle, voilà, ça aurait été un défi fair, équitable. Je suis désolé, no hit. No hit, tu peux me demander basement 1 quoi. Basement 1, no hit, pourquoi pas, tu vois. Vraiment, ça se négocie, quoi. Les vers de terre de merde, là, putain. La prochaine étape, c'est The Lost, No Holy Mantle, mais pas The Lost V2, que des Guénas. Si tu perds ton... si tu prends un objet, t'as perdu. C'est bon. Ça marche, ça, avec lui? Mais ouais, mais non, mais putain, mais... c'est la run de la vie! C'est incroyable, ça! Oh, je m'en fous, je la joue, elle est trop bien. Ah, j'ai le droit à 4 hits. Si je me fais toucher une 5e fois dans la salle, je meurs. Là, je suis d'accord. Encore 4 hits, là. Mais... encore 4 hits et j'ai perdu. Je savais pas du tout que le HP up fonctionnait sur Keeper V2. C'est trop bien. Ouais. Trinket de malade. Hein. J'ai 4 points de vie sur Keeper V2, quoi, parce que j'ai la box. Il me faut du podelard. Vous voulez du beau jeu, je suis si triste. Bah vous l'avez eu votre beau jeu là. L'arbitre qui dit ça joue. Traîtrise. Voilà, voilà. Voilà ce que c'est que de me donner ce genre de défi, c'est de la traîtrise. Y a pas d'autre mot. Hein. Merci Tituné pour les 37 mois de prime. Hein. Merci de ne pas être un traître. On est sur quel OST là? Toujours Cuphead ça? Je m'en voulais pas. Seule personne qui ne m'a pas trahi quoi. Oh les musiques de fou pour les boss de fin là. Wow, j'ai droppé un shiny. J'avoue, vous avez déjà vu un Keeper V2 avec 4 points de vie? Non, bah voilà, c'est du beau jeu, non? Ça devrait vous suffire comme beau jeu. Tweet, tweet, tweet. Merci Origine pour les 22 mois. Merci, merci. Ça joue de la flûte un peu là quand même. Hein. Ah, c'est quoi les bons builds là pour PoE vendredi là? Faut que je joue quoi? Je peux jouer Val Fissure ou pas là? Clicker Strike, putain je sais même pas ce que c'est quoi. Je suis foutu, hein. PoE je suis foutu. Là. Je comprends rien au jeu. Là. C'est nul ça. Regarde Zirzaran. Non. Faut jamais jouer ça. Flicker ça donne envie de vomir. Hein. Ah Flicker c'est le truc où tu te TP dans tous les sens là. Ouais non mais ça c'est la gerbs. Ça c'est la gerbs. Tu aimes quel style de build pour vous guider dans des conseils? Bah j'ai bien aimé le sort depuis de lave là. Mais apparemment